Est-ce qu'il faut que j'en dise plus ou est-ce qu'il vaut mieux que je te donne la parole directement? C'est mieux? Je vais te donner la parole directement. Je crois que ce sera bien plus efficace et bien plus intéressant. Donc merci d'être venu jusqu'ici. Stage is yours. Ça marche. Bonsoir à tous. Je suis ravi de me retrouver ici avec vous. Je viens en voisin parce que je suis souvent aussi à Bordeaux. Alors, qui suis-je? Comme le dit Claire, je suis un universitaire qui est plutôt petit garçon, savait qu'il ferait de la recherche en biologie. À 8 ans, je voulais travailler sur les venins de serpents. Et j'ai passé ma vie sur la migration des saumons. Vous voyez, ça reste de la biologie, mais vous allez voir, c'est les aléas d'une vie. Et je vous racontais comment une vie peut basculer sur une discussion, sur une rencontre, sur une idée, sur une lecture. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'avais envie de changer, j'aime tout. J'ai eu beaucoup de mal à me décider entre les sciences de la Terre et les sciences de la vie, d'ailleurs. Et puis, ben, finalement, j'ai démarré en médecine, et puis je me suis dit, bof. Et donc, je suis parti sur cette question particulière de l'adaptation du vivant. Comment le vivant est-il apparu? Qu'est-ce que c'est que le vivant? Et puis, plus on prend de l'âge, plus on devient un peu philosophe, et plus on aime les humains, malgré toutes les bêtises qu'ils font, on va en parler ce soir. Donc, c'est vrai qu'on a envie de corréler, de relier nos questions actuelles à de leur affection fondamentale. Alors moi, je suis un scientifique. C'est mon travail depuis toujours et je resterai ça jusqu'au bout. Donc je suis un farouche opposé aux opinions. Depuis 15 mois, on n'entend que des opinions. Vous voyez la télévision, le Covid, c'est ceci, c'est cela. Que des conneries, hein. Donc c'est pour vous dire effectivement qu'on est parti sur quelque chose où les gens sont dépassés par des émotions. Je comprends les émotions. Un scientifique, il doit avoir aussi des émotions, c'est important. D'ailleurs, moi, mon moteur, c'est l'émerveillement. Je vais raconter des histoires assez géniales du vivant. Je veux vous émerveiller. Je vais vous donner envie de, avoir envie de vivre demain. Dans un contexte qui est préoccupant. Je suis très proche aussi d'un personnage que j'admire intensément, qui s'appelle Edgar Morin. On a fêté le 8 juillet 2021, il y a quelques semaines, le siècle d'Edgar Morin. Il y a quelques jours, on était à la Maison de l'Amérique latine à Paris parce qu'il est honoris causa d'une dizaine d'universités du Mexique à la Terre de Feu. Et Edgar Morin, à 100 ans, disait au président Macron: « Vous savez, monsieur le président, la question actuelle, ce n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, c'est l'usage que l'on en fait. » Et vous allez voir, ça va revenir en permanence. Et sur les gilets jaunes, il disait: « Vous savez, quand on gouverne comme ça, en oubliant une partie des gens, on oublie toujours les pauvres, bien sûr, évidemment. C'est très dangereux parce que le premier gourou qui passe, il gagne. Allez au Brésil, allez en Italie, allez aux États-Unis, et en France, hein, ils sont à la porte en ce moment. Et tous les jours, vous les entendez. Aucune culture scientifique, s'en foutent, c'est pas leur problème. Et donc, on va mettre la réflexion sur des questions qui sont préoccupantes parmi d'autres, hein, ce ne sont pas les seules. Et c'est vrai qu'en scientifique, je dirais que je ne voudrais surtout pas d'un monde dirigé par des scientifiques, ça ne marcherait pas. Il y a trop d'écoles, on l'a vu pendant la crise du Covid. À un moment, on avait un match OM-PSG, hein, entre les Marseillais et les Parisiens. Donc vous voyez un peu. Par contre, il faut de la connaissance scientifique. On ne peut baser aucun système de direction, de management, de tout ce que vous voulez, sans un état de l'art au niveau scientifique. Regardez, sur Mars, en ce moment, il y a un petit rover qui se balade. On le dirige d'ici, de la Terre. C'est magique. Comment on arrive à diriger un petit truc, c'est gros comme ça, hein? Il se promène, il monte, il descend, il fait un trou, il récupère un peu de sable. C'est grâce à la technologie basée sur de la science. Donc ça va revenir en permanence. Mais à côté de ça, on a fait aussi des usages de la science qui sont plus que discutables. Donc voilà, le débat, il est là, c'est réfléchir aujourd'hui à ce qu'est l'humain. On va démarrer sur un bébé. C'est quoi un bébé? Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. C'est pas fait pour laver sa bagnole, hein. Ça, on l'a complètement oublié. L'eau, on va en parler un petit peu, c'est vraiment pour moi, même si je suis un spécialiste du vivant et de la biodiversité, c'est le premier problème. Tous les êtres vivants, toutes les cellules vivantes, du coronavirus 19 à l'humain, sont faites d'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie existe. C'est que maintenant, quand on cherche de la vie dans l'univers, on trouve de la glace partout, il y en a beaucoup de la glace, hein. Il faut de l'eau liquide, effectivement. Il y a eu de la vie sur Mars, ça c'est clair, hein, mais ben, maintenant elle est un petit peu trop loin du Soleil, donc cette vie, peut-être qu'il en reste encore un petit peu congelée, s'il reste de la masse liquide au sein de la planète. Cette eau liquide, elle est fondamentale, et la vie va apparaître dans de l'eau liquide, dans l'océan ancestral. On est vers 4000 millions d'années, un petit peu moins, et là, une cellule apparaît dans l'océan. C'est quoi une cellule? Je vais vous le montrer. Et on part de là.
Et donc, je veux absolument vous démontrer ce soir que l'humain n'est pas différent. Alors, l'humain n'est pas que un animal. Hein, faites pas dire ce que je n'avais pas dit. Nous sommes profondément animaux. Ça, c'est clair, au fond de nous-mêmes. Un médecin, lorsqu'il vous soigne, parce que vous n'arrivez plus à respirer, à manger, à digérer, à regarder, à faire des câlins, tout ce que vous voulez, c'est profondément animal, tout ceci. Mais on n'est pas que ça. Puisqu'on est un animal qui a tellement développé sa technologie par rapport à d'autres, qu'aujourd'hui, ben, il s'auto-empoisonne par ses propres activités. Puis l'humain, il a un cerveau qui a grandi au cours du temps, après une évolution. L'évolution humaine est très buissonnante. Hein, ça démarre quand les premiers préhominidés, on est vers 7 millions d'années, en Afrique. L'humain est africain, hein, c'est clair. Hein. Ça, tout le reste, c'est des conneries. L'humain est apparu en Afrique. La génétique est formelle. Hein. L'humain est africain et puis sortira de l'Afrique. Il y a 120 000 ans, il y a 70 000 ans, il y a 50 000 ans, il y a 30 000 ans. Il sort chaque fois que le Sahara n'est plus un désert. Donc très fortement lié au changement climatique. Hein. Il va traverser le Sahara, la péninsule arabique est verte, hein, et on sort d'Afrique. Et on va vers l'Europe et vers l'Asie. Bien plus tard, on ira en Amérique, bien sûr. Hein. Il y a 30 000 ans, peut-être, l'humain arrive à passer en Amérique, peut-être un peu plus. On se pose beaucoup de questions en ce moment sur l'arrivée de l'humain. Ce qui est fabuleux, c'est que l'humain arrive en Alaska. 3000 ans après, il est en terre de feu. C'est un super... Il a la bougeotte, l'humain, en fait. Partout où il est, il faut qu'il bouge. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils épuisent un territoire. À l'époque, on n'est que chasseurs-cueilleurs. Hein. Il n'y a aucune culture, rien du tout. Bien sûr, on ne cultive pas, on n'élève pas. Hein. On marche. Et quand on me dit aujourd'hui, mais comment ils faisaient les hommes préhistoriques avec le changement climatique vis-à-vis de l'océan ? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils arrivaient au bord de la mer, regardaient, c'était sympa, puis ils allaient ailleurs. Maintenant, notre drame, c'est qu'on a fait des gigantesques villes au bord de l'océan. Vous avez eu le rapport du GIEC de ce matin, ils disent 2 mètres à l'horizon 2100. Je ne vous raconte pas, 2 mètres, il n'y a plus de Bordeaux. Hein. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très intéressantes. 4 chiffres, hein, pour préciser tout ça avant de démarrer sur les images. 1940, démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes 2 milliards d'humains sur la Terre. Premier milliard, 1830. 2 milliards en 1940, 2,1. Aujourd'hui, 8. En 70 ans, on a multiplié par 8 les humains. Donc, première question, par 4 les humains. Donc première question, bien sûr, très préoccupante, la démographie. On a été infichu de gérer notre démographie. Les espèces sauvages gèrent leur démographie. On n'a pas su faire. On n'a pas fait attention. On arrive à des drames du style aujourd'hui où on a fait beaucoup trop de gamins entre 1950 et 1990. Et mes étudiantes, maintenant, à Sciences Po, à Paris, elles me disent, bon, on ne fera pas de bébés. Alors, c'est quand même plus que gênant parce que bon, on est amoureux, on a envie de faire des bébés, hein, c'est absolument normal ça. Hein. C'est viscéralement lié à ce qu'est l'âme humaine. Hein. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit de faire des bébés ? Parce qu'on a fait des choses qui, dans le passé, n'étaient pas très vertueuses, bien évidemment, dans une imprévoyance totale. 2 autres chiffres, 19 000 ans, ici, à l'aérocampus de Bordeaux. Il y a 19 000 ans, la température de la surface de l'océan est 4 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Et la mer, elle est 125 mètres plus basse. Voilà. Ça, il faut que vous le mettiez dans le crâne. Ce n'est pas le chiffre que vous devez retenir. Hein. Mais c'est que l'océan, il a énormément varié. Ce n'est pas des centimètres ou 1 ou 2 mètres. 125 mètres plus bas. Si vous allez à la grotte Cosquer, hein, 12 000 ans près de Marseille, les types, ils n'ont pas fait en apnée des peintures dans une grotte. Hein. Elle est sous 18 mètres d'eau aujourd'hui. Hein. À l'époque, la grotte était très loin. Ce n'était pas du tout une grotte au bord de mer. Hein. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le débat dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc à partir de ces fêtes-là, en scientifique, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut en tirer comme synthèse et comme idée pour un développement différent. 2 écosystèmes que je vous ai mis ici. Un que j'aime beaucoup, je suis beaucoup allé en Guyane, donc c'est la forêt tropicale humide, c'est l'Amazonie. Là, 30 000 espèces au kilomètre carré. Donc on fait un carré de 1 km dans la forêt tropicale, 30 000 espèces différentes. Des plantes, des champignons, des microbes, bien sûr, hein, des animaux, dans le sol, dans la canopée, partout. L'équivalent marin, c'est le récif corallien. On va rester en France. Nouvelle-Calédonie. J'attends le prochain référendum, mais pour l'instant, c'est encore français. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le prochain. En tout cas, là, 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. 600 espèces de poissons. Il n'y a pas la moitié en France. Donc, vous montrez que sur un territoire du Nil, hein, il y a 2 fois plus d'espèces de poissons qu'en France. 600 espèces de coraux. Donc, on a là ce qu'on appelle des méga-divers en anglais, ou des hotspots, hein, des lieux sublimes de diversité biologique. Des coins où le vivant a explosé. Il y a 2 raisons. Un climat qui, effectivement, ne change pas trop. Le vivant adore le climat qui ne change pas trop. C'est le climat qui a changé, qui a obligé le vivant à faire beaucoup d'espèces. On en parlera tout à l'heure, hein, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, une zone, bien sûr, à température assez idéale. Hein. Quelle serait pour vous la température idéale pour un corps humain tout nu ? Qu'est-ce que vous me diriez ?
26. Hein, 20, donc 26 degrés, on peut vivre tout nu, matin, nuit, hiver, sans problème. Très bien, on n'a ni froid ni chaud, on est parfait, on thermorégule parfaitement bien. C'est surtout pas 37, évidemment. Hein. Au-delà de 32 degrés, l'humain est dans une situation physiologique, hein, c'était mon métier pendant longtemps, qui fait qu'il se défend beaucoup plus mal contre le chaud que contre le froid. Rappelez-vous la canicule 2003 en France, 15 000 morts. On n'en parlait pas beaucoup, 15 000 morts. Ils ne sont pas morts à Perpignan ou à Marseille ou à Barcelone, ils sont morts à Paris, ils sont morts à Rennes, ils sont morts à Brest, ils sont morts à Lille. Donc ça, il faut y réfléchir un petit peu à nos fragilités. Et puis c'est vrai que dans ces conditions-là, moi je me suis beaucoup intéressé au sport de haut niveau et je continue beaucoup à travailler là-dessus avec les sportifs de très très haut niveau. Vous regardez les records olympiques, ils ne se battent pas à haute température, à basse température, à une température optimale pour l'humain. Les records du marathon, 12 à 16 degrés, c'est trop chaud au-dessus, c'est trop froid en dessous. Donc même l'humain qui thermorégule, vous êtes à 37 degrés, vous le savez bien, bah, il court beaucoup moins bien quand il fait trop chaud ou trop froid. Sauter c'est pareil, hein, ou lancer ce que vous voulez. Donc cet humain, il est profondément dans un système de physiologie qui l'entoure avec tous ses partenaires que sont les non-humains. Et on va parler des non-humains ce soir, parce que vous ouvrez vos journaux, on parle que des humains, hein, tout le temps. J'ai des amis médecins, ils me disent ils connaissent deux espèces. Les humains, c'est un peu normal quand on est médecin qu'on connaisse les humains, heureusement. Et puis le petit animal. Le petit animal, moi je me dis, bon, ben, c'est la mouche drosophile, c'est l'oursin, c'est l'étoile de mer. Non, 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 c'est la souris transgénique. Bon. Donc une souris bricolée déjà. Donc vous voyez que dans la culture générale qu'on évoque, hein, et ça va être un petit peu mon plaidoyer ce soir avec vous, tenez compte des non-humains. Ils sont largement aussi importants que nous. On ne peut pas s'en passer. Vous ne mangez que du biologique. Vous ne mangez pas un cristal de quartz, hein, vous ne mangez pas un caillou, que du biologique. Et vous ne coopérez qu'avec du biologique. Tous ici dans la salle, on se trouve super beau, on est vachement bien, il y a des filles et des garçons. On est fait au moins à moitié de bactéries. Je montrerai comment ça se passe chez le bébé à la naissance, hein, c'est super intéressant. Si le désordre commence à ce moment-là, c'est des graves problèmes de développement embryonnaire et des problèmes ensuite de psychologie à l'état adulte. Votre psychologie actuelle, elle vient de votre ensemencement bactérien que votre maman vous a donné à votre naissance. Donc c'est vrai que tout ça, on fait des progrès là-dessus qui sont super intéressants. Donc l'humain dans son environnement, qu'est-ce qu'on connaît comme espèce? C'était mon boulot, j'ai présidé 7 ans cette grande maison. Quel muséum? Le muséum, c'est une collection à peu près de 70 millions d'objets. On a 70 millions d'objets à Paris, 70 millions à Londres. Et le seul musée plus grand, c'est la Smithsonian aux États-Unis à Washington, 110 millions d'objets. Racheté, puisqu'il n'y avait pas d'Américains qui faisaient des musées à l'époque, en 1850. Il y avait des Américains super, il y avait des Amérindiens, mais il n'y avait pas de musée d'histoire naturelle. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ces trois collections-là sont majeures. Et puis maintenant, Leiden, en Hollande, a également monté un très beau musée. Et Berlin, qui avait été entièrement détruit en 1945, se construit aussi. Ils ont mis 2 milliards d'euros sur la table pour refaire un grand musée d'histoire naturelle. Et on voit des pays maintenant, comme les pays arabes, ils ont des sous. Il y a un musée qui commence effectivement à Abu Dhabi, il y en a un également à Doha. Et la Chine commence à s'y mettre. On a construit le musée d'histoire naturelle de Shanghai ou de Guangzhou, par exemple. Donc, c'est quoi un musée d'histoire naturelle? C'est un musée où on archive de la donnée avec des spécimens, un objet d'histoire naturelle. Ça peut être un silex préhistorique, ça peut être un quartz, ça peut être un papillon, ça peut être un scalp d'Amérindien, d'Amérique du Nord, ça peut être un fétiche africain, ça peut être tout ce que vous voulez en fait. Hein. Et puis, c'est tout ça. Et on raconte une histoire en fait avec ça. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la compréhension du passé, on essaye de décortiquer le présent et surtout maintenant un nouveau métier que nous on ne faisait pas, chercheurs en France. Hein. La loi de 2002 oblige les chercheurs français à faire de la prospective, c'est-à-dire à aller faire un peu d'imagination de ce que sera demain le futur, sur des bases scientifiques, d'accord? Pas à partir d'opinions, on est bien d'accord, on va y revenir. Hein. Ça, c'est super intéressant. Mais c'est notre boulot, on a dû l'apprendre, parce qu'on n'était pas formés pour faire ça. Donc avec nos jeunes étudiants, on en parle, bien sûr, on en discute souvent. Vous faites un travail scientifique, comment vous allez l'utiliser, dans quelles conditions? Est-ce que vous tenez compte de conditions éthiques, par exemple? Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, ça c'est le débat. 300 000 espèces dans l'océan connues aujourd'hui et 2 millions sur les milieux continentaux. Alors une espèce connue, c'est quoi pour un scientifique? C'est une espèce qui a été découverte, reconnue comme nouvelle et originale, dessinée, photographiée, séquencée au niveau de son ADN et mise dans un musée disponible pour tout le monde.
vous voulez savoir si la mouche que vous avez trouvée, c'est telle espèce, vous pouvez aller voir l'original qui est dans un musée du monde, qui peut être dans n'importe quelle grande capitale de la planète, qui a un musée, bien sûr, national d'histoire naturelle. D'accord ? 2,4 millions connus. Il y en a combien en vrai ? Peut-être 20 millions. Donc, vous voyez, le défi est gigantesque. Hein, 20 moins 2, ça fait 18. Alors, j'ai regardé depuis 10 ans, ça ne bouge pas beaucoup. On décrit entre 16 000 et 18 000 espèces nouvelles par an. Alors, elles ne sont pas apparues dans l'année, hein. Elles étaient déjà là, mais on ne les connaissait pas encore, donc on va les chercher. Tout à l'heure, si vous voulez, on peut faire la manip, on va aller sur la prairie, là, où tout à l'heure vous prélassiez sur la belle herbe verte. Là, on va gratouiller, et je vais vous trouver un nématode pas connu. Je vais vous trouver une bactérie pas connue. Je vais vous trouver un acarien, un colambole pas connu. Ça veut dire qu'on va donc, oui, il n'est pas connu, donc on va faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et on va le déposer dans les musées. Et il augmente, comme ça, ce qui est connu. Ce qui veut dire que 18 000 espèces par an, il nous en manque 18 millions. Il nous faut 1000 ans pour simplement décrire ce qui est encore sur la Terre avec nous aujourd'hui. Or, on sait qu'au rythme actuel d'effondrement des écosystèmes et du vivant, on en aura perdu la moitié à la fin de ce siècle. Voilà le défi qui est lancé pour les chercheurs. Comment, dans ce défi global-là, aujourd'hui, on essaie de préserver cette nature pour la garder encore avec nous. On va voir qu'elle nous rend quand même beaucoup de services. Alors, le climat, deux raisons d'être intranquille. Ça, c'est la température de surface de l'océan depuis 140 ans. Jusqu'aux années 90, ça allait à peu près, puis ça s'envole maintenant, c'est parti. Et ça, c'est la montée du niveau de la mer. La mer, elle était montée de 1 mm par an depuis 5000 ans, à peu près. 1 mm par an. On ne se rendait pas vraiment compte. Hein. Aujourd'hui, elle monte 5 fois plus vite. Et le chiffre de ce matin qui m'a effrayé, moi le premier, j'en étais pas là, hein, du GIEC ce matin, c'est 2 mètres peut-être, entre 1 et 2 mètres à l'horizon 2100. Amusez-vous, il y a des cartes qu'on a publiées, vous allez sur Internet, hein, vous dites effectivement que... Cherchez-moi les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord de la mer, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand vous avez enlevé Paris, Moscou, Chicago, toutes les grandes villes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, elles sont au bord de l'océan. L'Asie va être très fortement touchée et ces villes sont très fortement peuplées. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Alors je ne suis pas du tout là pour vous coller la trouille, ce n'est pas mon but du tout. Hein. Je suis là simplement pour vous dire qu'on vit des événements qu'il faut que l'on considère et qu'on les mette dans nos priorités de pouvoir s'en occuper. Et je terminerai là-dessus en disant une chose claire. Je m'intéresse à l'évolution depuis que je suis tout petit, je vous l'ai dit. Le vivant a subi les pires catastrophes des volcanismes. C'est des nains nos volcans actuels. Hein. Il y a 251 millions d'années, les volcans étaient incroyables, gigantesques. Il n'y avait pas de vie humaine possible. La température était plus élevée. Eh bien, le vivant, à chaque fois, confronté à des grandes catastrophes, à des choses qui le modifient profondément, et réagit en faisant des espèces. Et le vivant s'est adapté. Mais pour s'adapter, il a tout le temps changé. Et non, on ne change toujours pas. Donc voilà aujourd'hui le débat que l'on a. Hein. Encore une fois, pas question de s'auto-apitoyer, surtout pas d'éco-anxiété démesurée. Hein. Je ne suis pas du tout ni catastrophiste, ni collapsologue. Ce n'est pas mon truc. Je suis enseignant, je n'ai pas là pour désespérer mes jeunes. Hein. Je suis là pour leur dire que si on continue comme on fait aujourd'hui, effectivement, on aura beaucoup de mal, il y aura beaucoup de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir. Et je reviens au vieux Edgar Morin qui, du haut de ses 100 ans, disait... Oui, le probable est très préoccupant, je vous le raconte là en quelques mots. Mais dans l'histoire de l'humanité et de la Terre, le probable, quelquefois, ne s'est pas produit. Ben voilà, c'est ce qu'on fait ce soir ensemble. Je suis ravi que Claire m'ait invité ici avec vous ce soir. On se bat pour que ce probable-là qu'on nous promet ne se produise pas. Mais pour qu'il ne se produise pas, il faut qu'on change. D'accord ? Alors voilà. Autre intranquillité, à part le climat, c'est... Alors, je vous ai pris une petite grenouille que vous ne connaissez pas du tout. C'est une de mes chouchoutes. J'ai plein de chouchoutes comme ça. Hein. Elle est découverte par le grand Darwin quand il fait son tour du monde avec le Beagle au début du 19e siècle. Il va dans les forêts de Patagonie, là où sont aujourd'hui le Chili et l'Argentine. Il trouve une grenouille dans la forêt primaire d'Araucaria, des arbres qui ont entre 1000 et 3000 ans. Et là vit la petite grenouille. Alors, à l'époque, on prend la grenouille, on la met dans un bocal, elle part à Londres. Et puis, 100 ans après, on la retrouve sur une étagère. Tiens, une grenouille, elle n'est pas connue. On va lui donner un nom. T'as vu, c'est Darwin qui l'a trouvée. Donc, elle s'appelle Rhinoderma darwini. Eh bien, elle s'en va. Elle s'en va. Parce que, tout simplement, elle ne supporte pas le fait qu'aujourd'hui, on coupe toutes ces grandes forêts d'arbres ancestraux pour mettre à la place des eucalyptus et des pins pour faire des cajous. Voilà, c'est tout. C'est ce que fait Homo sapiens, l'homme qui sait, l'homme intelligent. C'est là qu'on a un vrai combat tous, bien sûr. Hein. Vous allez voir que ce que je vous raconte là, c'est une histoire qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est vraiment une histoire où chaque citoyen d'apprendre ça en considération. Et donc si chaque citoyen le prend en considération, le monde politique aussi.
tous les partis politiques doivent faire de l'écologie. Je suis un écologue, pas un écologiste, hein, on en parlera au cours de la soirée. C'est très important de l'avoir en tête en permanence. Eh bien, le vivant s'en va, le climat change. Puis voilà, celui-là, il est sympa parce que lui, il est apparu, lui. On me dit souvent, mais il y a plein de trucs qui disparaissent. Ben lui, il est apparu. Quelque part, durant l'été 2019, à Wuhan, une ville donc de l'ouest de la Chine, sort un virus. Alors nous, on les connaissait bien, ces coronavirus, au muséum, parce que ça fait 20 ans qu'on va dans les grottes chinoises chercher ces bestioles. C'est pas une bestiole, c'est un être vivant. Alors je vais être très formel aussi et clair, c'est un virus de chauve-souris. Il n'a jamais été inventé par un laboratoire. Hein. Après, on verra, il a pu être bricolé, c'est autre chose. Il vient de Rhinolophus affinis, une chauve-souris qu'on connaît bien, qu'on connaît au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Chine. Et ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'on est à 1500 km de Wuhan. Ça veut dire que quelqu'un est bien allé chercher, il y a 10, 5, 3 ans, ces chauves-souris dans ces grottes. Il fallait leur foutre la paix. Parce qu'on me dit, c'est facile, les chauves-souris nous empoisonnent, et bien on tue toutes les chauves-souris. 1400 espèces connues. Vous savez ce qui va se passer si on fait ça? On se fait une énorme cible sur le bide, là. Parce que les virus vont pas cesser de faire. Hein. Ils vont venir chez nous. Ils ont réussi une fois à le faire déjà. Plus on aura des chauves-souris, moins on sera menacé par les virus de chauves-souris. Mais en leur foutant la paix, en les ramenant pas sur des marchés, en les mettant dans des cages au-dessus de pangolins, au-dessus de civettes masquées, au-dessus de visons, qui vont, ce qu'on appelle le saut d'espèce, on change d'espèce, une zoonose, se produire. Il s'est passé deux choses en 2019. Quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer s'est passé. Et quelque chose qui aurait dû rester confidentiel là-bas a fait le tour du monde. Avec mes copains infectiologues à la Pitié, on regarde ça à Paris, c'est effroyable. On a les vols, avion par avion, le premier vol, Wuhan-Milano, cluster terrible en Lombardie. 100 fois plus de morts à Milan qu'à Venise, c'est tout près. Tous les gens qui avaient un vol direct se sont chopés le virus dans la semaine. Rappelez-vous ces religieux dans l'est de la France, et puis ça a cogné en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, là mes amis sont très touchés au Pérou, au Chili, au Brésil, hein. Et puis ça a touché en Europe de l'Ouest, moins en Afrique et en Asie, pour des raisons probablement qui sont liées au fait que ces populations-là ont déjà été en contact, pas exactement avec le même, ce qu'on appelle nous en immunologie l'immunité croisée, mais quelque part leurs gènes ont reconnu quelque chose, donc ils se défendent mieux, il y a moins de mortalité. Et c'est une maladie qui touche pas n'importe qui, elle touche des personnes âgées, des personnes trop en surcharge pondérale, là tu es gros, hein. Mes copains urgentistes ici me disent on a des types qui sont au lit, là on n'arrive même pas à trois à les retourner dans le lit. Compliqué, hein. Deux fois plus d'hommes que de femmes, hypertension artérielle, diabète de type 2, Alzheimer. Donc c'est vrai que qu'est-ce qui révèle nos fragilités? Il n'est pas très méchant et tue 1% des gens touchés. Le drame de ce virus qui nous empoisonne l'existence aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il y a plein de gens, on ne sait même pas qu'ils l'ont, ils peuvent le transmettre en fait. Ce n'était pas le cas du virus qui était parti en 2003, qui lui a tué 60% de gens touchés. Et en 3 mois, il a disparu, sans vaccination. Intéressant, hein? Parce que quand le virus est trop féroce vis-à-vis de son hôte et qu'il le tue, rapidement il s'auto-élimine, plus personne ne le transfère. Et puis là, les gens touchés, on le voyait, hein, ce n'était pas des petits symptômes comme un rhume. Celui-là, il va nous empoisonner parce qu'il n'est pas assez méchant. Donc c'est pour lui, pour nous, d'un côté, c'est intéressant, mais on a 5 millions de morts. Hein. Rappelez-vous, le H1N1 de 1918, entre 50 et 100 millions de morts. On était 1 milliard d'humains à l'époque. Faites le calcul en proportion. Hein. On aurait là déjà 4 milliards d'humains qui seraient morts hein, s'il a vu la virulence du H1N1 de 1918. Puis pensez à Ebola, mes amis africains, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ou bien, on parlait tout à l'heure de la Guinée-Conakry. Ebola, on a une réserve de gorilles, nous, au Gabon, le muséum, il m'a tué 80% de mes gorilles il y a 10 ans, 86% des gorilles sont morts. Donc vous voyez que il faut qu'on pense à tout ça. Et ce n'est pas des choses qui seraient passées si l'humain n'avait pas des activités démesurées. Hein, donc on va bien regarder les relations entre ces pathologies infectieuses qui interviennent et puis les activités de l'humain. Donc lui, bah, il est parti. Alors encore une fois, hein, il a très bien pu être manipulé dans un laboratoire. C'est très possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on allait le chercher là-bas et qu'il s'est passé quelque chose autour de Wuhan. Que ce soit le marché ou le labo, ou les deux, possible. On ne saura jamais. Donc nous sommes intranquilles. Hein, je ne veux pas vous dire qu'on est catastrophé, qu'on est hyper anxieux. On est intranquille.
Alors voilà, ça c'est les ouvrages de début de l'année 2021. L'apocalypse climatique dans le monde. Alors évidemment, si je vous parle que de ça, je vous colle une trouille pas possible. Et puis on va être très inquiet pour demain. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des câlins ce soir et on se flingue demain matin. Faut trouver autre chose quand même hein, pour essayer de pouvoir nous débrouiller avec ce qui peut, ce qui va se produire. Et ça c'est le travail de mon successeur qui dit comment habiter la Terre. Alors, on a plein de causes d'être intranquilles. Revenez à Lucie, il y a 3,2 millions d'années. Qu'est-ce qu'elle se disait, Lucie? Petite homo habilis, 40 kilos, africaine, bien sûr. Elle disait, enfin, tous les matins, elle disait, bon, est-ce que je vais trouver à manger aujourd'hui? Et deuxième question, est-ce que moi, je ne vais pas être bouffé aujourd'hui, hein? Il y a des lions, il y a des guépards, il y a des panthères, bien sûr, hein, dans la savane africaine. Même ceux qui ne les mangent pas, un rhinocéros, quand il vous piétine, ce n'est pas terrible. Hein? Il ne vous bouffe pas, mais vous en sentez pas si bien que ça. C'est tout ça. Et puis après, bien sûr, les questions dont on vous a parlé cette semaine, l'énergie, l'eau, comment on est passé du feu à l'énergie nucléaire. Dans un contexte de démographie, j'en ai parlé, touché deux mots, et de ressources. Et donc, il y a un grand scientifique qui s'appelle Paul Ehrlich aux États-Unis, qui écrivait cet article quand il a été reçu à l'Académie des sciences royales britanniques, qui disait « Can a collapse of global civilization be avoided ? Est-ce qu'on peut encore interdire un effondrement de nos civilisations ?» Voilà, la question est posée. On va essayer d'y répondre. D'accord ? Voilà ce qui se passe quand on ne se préoccupe pas des aspects sociaux que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Pourquoi c'est parti ça? Parce que simplement, on a augmenté de quelques centimes le prix du litre de gasoil. On est en novembre 2018. Et le gasoil a plus augmenté maintenant que l'augmentation qu'on avait faite en novembre 2018. Et ça, c'est intéressant d'y réfléchir. Vous avez écouté Jean Tirole hier, je sais, et c'est les questions. L'économie n'est pas une science. Je prends l'exemple du prix du baril de pétrole en novembre 2018, $65. Quand le président Macron nous annonce le 16 mars 2020, confinement, il est à moins 20. Les pétroliers vous donnent de l'argent pour stocker du pétrole. On en avait beaucoup trop à l'époque, c'est plus où le mettre. Vous allez faire de la science sur des machins comme ça? Il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est de la pure spéculation en fait. Hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors on peut faire de l'économie si elle tient compte des externalités, hein. Il y a des économistes qui en tiennent compte sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Et le baril de pétrole, ben aujourd'hui, j'en ai eu 30 ou 40. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir, bien sûr. Et ces gens-là sont rentrés en rébellion parce que simplement, ben, ils sont dans un système où leur plein leur coûte de plus en plus cher et qu'on les a mis dans des systèmes, ils peuvent pas vivre dans les villes, en périphérie, donc ça coûte de l'argent. Ce qu'on appelle les effets rebonds sont terribles. Je suis pas contre les avions, contre les voitures. Je suis contre les effets rebonds qui font que, comme tout baisse, eh ben on a deux voitures, ou trois, ou quatre. Et les avions, on va les multiplier. 100 000 vols répertoriés le 20 janvier 2020. A-t-on besoin de 100 000 vols par jour? On continue à vendre des billets, là, je voyais l'autre jour, Bordeaux-Marrakech, 4,99 €. Ça, c'est la fin du système. On peut pas continuer comme ça. Donc c'est ça, effectivement, qui montre que on est dans un système de démesure. Le principal ennemi qu'on a, c'est la démesure. Alors, c'est quoi le vivant? Question intéressante. Des bactéries. Claire, on est une planète bactéries. Un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Plein les trous de nez, plein les cheveux. On est super beau quand même, mais on est plein de bactéries. On ne serait vraiment pas beau si on ne les avait pas, d'ailleurs, nos bactéries. Des protistes. Alors, ça, on les oublie souvent. Les protistes sont de grosses cellules à noyau. Soit ici des microalgues du phytoplancton, elles nous font la moitié de l'oxygène de la Terre. On parle des forêts. La moitié de l'oxygène est fait par le plancton marin de l'océan, le phytoplancton. C'est aussi les levures. Et sans levure, il n'y a pas de français. Que sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Et je peux continuer comme ça. Il n'y a pas de français. Hein. Donc, attendez, c'est un machin qui paraît insignifiant. Les protistes, c'est génial, les protistes. Vous allez voir, je vais vous parler d'un truc très bizarre juste après. Les plantes et les champignons, bien sûr. Là, on est à l'île de la Réunion, hein, avec sur la lave. Le seul endroit où il n'y a pas de vie sur la Terre, c'est la lave. Vous avez vu le volcan qui crache en ce moment aux Canaries. Eh ben, il n'y a pas de vie dans la lave, mais quand la lave se refroidit, la vie s'installe. Des bactéries, des protistes, des champignons, des plantes et plus tard des animaux, bien sûr. La vie a un pouvoir incomparable d'adaptation, elle s'installe. Hein. Et puis les animaux. Alors, j'ai mis un autre chouchou, c'est les tardigrades, je les aime beaucoup. Hein. Je pourrais vous emmener tout à l'heure, on va gratouiller les lichens qui sont là sur les arbres de l'aérocampus. C'est tout petit, hein. Ça fait entre un demi-millimètre et un millimètre et demi. C'est génial ce truc. Ils supportent le zéro absolu.
On l'a mis à 3 ou 4 degrés Kelvin, moins 270 degrés Celsius. Ouais, il n'aime pas ça. Hein. Il perd sa tête, il perd ses pattes, mais il tient le coup. Et puis quand on le remet dans de l'eau à température ambiante, s'il a une copine tardigrade, il refait des pattes et une tête, et il fait des câlins à sa copine, et ils font des bébés tardigrades. Hein. C'est, alors, eux, ils seront là encore bien après nous, quand on aura trop déraillé et qu'on ne sera plus là. Hein. C'est ça qu'a dit. Et vers le haut, il monte très haut en température aussi. Donc il y a plein de côtés émerveillants dans le vivant. Et ça, je veux vraiment vous le cheviller au cœur et dans votre crâne pour que vous limiez ce vivant et qu'on arrête bien sûr de le dégrader. Aujourd'hui, on a peur du changement climatique, on n'a pas peur de l'effondrement du vivant. C'est largement aussi important. Et celui-là, alors on ne sait pas ce que c'est. C'est le BLOP. J'étais il y a 15 jours au CNES à Toulouse. Alors j'étais en correspondance avec Thomas Pesquet. On avait 4500 classes de la région ici, de gamins, et on avait 450 gamins dans la classe qui parlaient à Thomas Pesquet. C'était magique. Parce que Thomas s'est monté un blop, comme ça, là, dans la capsule, là-haut, dans l'ISS. Et il élève son blop, et on a 4500 classes en France qui élèvent des blops. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on cherche 10 000 personnes pour avoir un blop. On vous les donnera, on vous dira comment les alimenter. J'ai une preneuse là-bas, ça marche. Et bon, on va voir tout à l'heure. Alors, un blop, c'est quoi? Alors, on ne sait pas trop où le mettre. Bon, ce n'est pas un animal, c'est clair. Hein. Ce n'est pas une plante, elle ne sait pas faire de la photosynthèse. Ce n'est pas un champignon, ce n'est pas une bactérie, puisqu'il a plein de noyaux. C'est un protiste très spécial. Une énorme cellule qui fait plusieurs mètres carrés avec plein de noyaux. Et ça vit dans les forêts, ça ne demande rien à personne, mais c'est génial. Et c'est là depuis 1 milliard d'années, ce truc, en fait. Là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Et on veut l'utiliser comme marqueur du changement climatique. Donc c'est pour ça que plus des gens vont l'élever. Alors un gag en plus pour vous montrer que la biologie et l'émerveillement de la biologie, dont tout le monde élève son blob. Alors qu'est-ce qu'il aime en captivité? Des flocons d'avoine. Bon, on a trouvé ça. C'est Audrey Dussautou qui travaille là-dessus à Toulouse. Des flocons d'avoine, ça marche bien. Et puis j'avais une petite fille qui me disait, mon blob, t'as vu, il est tout marron. Je disais, ça va pas, s'il est marron. Couleur de votre pull, là, c'est qu'il va pas bien du tout. Et qu'est-ce que tu lui files à bouffer? Ben, des flocons d'avoine bio. Il a horreur du bio, ça le rend malade. Ouais, l'émerveillement du vivant, c'est ça. Nous, on comprend pourquoi. C'est parce que le bio a développé probablement des micro-champignons pour se défendre contre des produits qui... Et puis, ben, il est toxique pour le blob, tout simplement. Vous voyez que le vivant, ce n'est pas des choses absolues. Donc, ne donnez pas des flocons d'avoine bio à votre blob. D'accord? Et voilà le dernier qu'on a parlé tout à l'heure. Alors... Le vivant, ce sont des cellules. Un corps humain, c'est des milliards de cellules. De l'eau liquide, des sels et des cellules. Donc des cellules, donc des membranes. C'est fondamental. Vous êtes tous ça. Admettez-le. C'est fondamental. Si vous l'admettez, vous allez voir que vous avez gagné 90% de l'effort à faire. Parce que vous comprendrez que si vous allez attaquer le vivant, vous vous auto-attaquez. Ce qui est un peu quand même stupide pour une espèce qui s'est appelée sapiens. Vous vous rappelez, en 1758, Linné, qui est un chercheur suédois, crée le terme de homo sapiens, l'homme qui sait. En plus, c'est complètement bricolé, parce qu'il a appelé des espèces atrox, férox, horribilis, horridus, lui sapiens. Bon, avec l'humain, il y a toujours l'arrogance. Et d'ailleurs, Linné dira un truc fantastique, il dira un jour, Dieu a créé, et Linné a organisé l'œuvre de Dieu. Voilà. Vous voyez que les égoïs, on en voit encore des comme ça avec toi encore aujourd'hui. Toujours des mecs pour dire des conneries comme ça. Hein. Mais c'est pour vous montrer effectivement que c'est tellement fort. Alors l'eau, regardez l'eau. Je vous emmène à Atacama, le désert le plus sec de la planète. Il ne pleut jamais. Et tous les 12 ans, lié au phénomène El Niño en castellano, c'est le Christ à Noël, hein, les vents s'inversent et il pleut dans le désert en quelques jours devient comme ça. Là. Vous voyez, quand je veux vous convaincre que l'eau, c'est la vie, tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide, je vous l'ai dit, hein. Il pleut quelques jours. Là, vous, et imaginez les papillons qui vont venir et les oiseaux, ça dure 3 semaines, la pluie s'arrête et ça repart pour 12 ans vers l'aridité extrême. C'est ce que Théodore Monod appelait au Sahara la fleur d'Achab. C'était ça, en fait. C'est absolument extraordinaire, le désert de Mauritanie ou ces coins-là. Et on peut s'amuser à jouer au dieu en irriguant le désert ici au Soudan. Hein, et vous créez du vivant dans le désert. Et regardez la relation sociale. Je vous emmène en Afrique, où j'ai beaucoup travaillé. Eh bien, ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles font? Pensez à votre vie ici. On n'est tous pas très heureux, mais on n'est pas si malheureux que ça. Tous les jours, collecting water, aller chercher de l'eau. Ça veut dire que tous les jours, elles vont chercher de l'eau. Et quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. Elles ne reçoivent aucune rémunération pour faire ça. C'est gratos. L'eau est de plus en plus lointaine tous les jours, de plus en plus de mauvaise qualité. Ensuite, les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. La loi kenyane interdit à une femme d'avoir du foncier. Et pour finir, elles font des mauvaises rencontres en route. Parce que les gamins, à 15 ans, ont des kalachnikovs chinoises. Voilà.
C'est ça le drame, en fait. C'est la pure écologie que je vous montre là. Hein. On ne peut pas ne pas s'intéresser à ces questions-là. Hein, c'est clair qu'aujourd'hui, en plus, ils subissent de plein fouet le changement climatique. J'ai vu beaucoup de chefs d'État africains qui me disent toujours la même chose. Ils me disent, vous nous demandez de nous adapter, mais c'est vous qui avez créé le changement climatique. Bien évidemment, ce n'est pas mes amis de Zimbabwe ou de Botswana qui ont créé le changement climatique. Ça veut dire que là, il y a vraiment une responsabilité, une inégalité actuelle qu'il faut absolument gommer, qui est fondamentale. Il faut y penser tous les jours, hein, bien sûr. Impact climat, impact vivant qui s'en va, impact social immédiat. Ça, il faut vous en persuader aussi, c'est très important. Alors voilà le vivant, on l'a classé, on adore ça. Le vivant n'a rien classé du tout, mais l'humain, il ne comprend pas si ce n'est pas classé. Donc on classe. Depuis notre copain Linné, là. Alors Linné, il n'avait pas de nom, en fait. Il était botaniste. Et Linnaeus, ça veut dire tilleul en suédois. Donc c'est monsieur Tilleul, hein, le botaniste, hein, qui invente la classification. Et maintenant, par les moyens moléculaires de la génétique, on classe tout le vivant. Donc on part des premières bactéries. Les virus, on pourrait les mettre par là aussi, les bactéries. Et on va jusqu'aux mammifères, effectivement. On a dit tout à l'heure, 2 millions de et demi d'espèces connues, peut-être 20 millions. Alors tout a commencé en fait sur autre chose. La vie n'apparaît pas comme ça sur rien. Il y a ce qu'on appelle, nous, une géochimie, une chimie prébiotique, une chimie avant la chimie du vivant. Le vivant, en plus, c'est génial, il travaille avec quatre éléments. L'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone, bien sûr, c'est la science du carbone. Et puis, des fifrelins d'autres trucs. Plein, hein, le vivant, il y a 62 éléments dans un corps humain. Vous avez un poil de ruthénium, un poil de sélénium, vous serez vraiment beaucoup moins joli s'il n'y avait pas de sélénium. Mais c'est des fifrelins. L'iode dans la glande thyroïde contient l'iode, qui est un atome marin. Il est entièrement stocké ici, là. Et sans thyroïde, pas de croissance, pas de reproduction. Terminé. Un crétinisme important. Donc vous voyez que ces atomes-là jouent un rôle important dans l'évolution. Et le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 90 km/h avec 2 watts. C'est ça qu'on a oublié. Hein. Et là, on est ici sur l'aérocampus. Sans les oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Les avions volent depuis 150 ans, les oiseaux depuis 150 millions d'années. Et on n'y est pour rien. Hein. Ils volaient bien avant que les humains soient sur la Terre. C'est ça qu'il faut qu'on reprenne en permanence, qu'on se mette dans le crâne tous les jours pour comprendre les relations intimes et merveillantes qu'il y a entre l'humain et le non-humain. Ben voilà, ça c'est un estuaire, j'aurais pu mettre la Gironde ici à Bordeaux. Là vous avez de l'eau douce, là vous avez de l'eau de mer. Ça c'est quoi? Ce qu'on appelle de l'eau saumâtre, hein, en anglais brackish water. C'est quoi? Ben regardez. Ce que je vous mets ici c'est quoi? Ben c'est votre sang en ce moment là. Tous! Je vous fais une prise de sang. Vous allez voir que la prochaine fois que vous irez faire une prise de sang, vous allez regarder de façon attendrie le début des chiffres. Sodium 142 millimoles, potassium 3, chlorure 105. C'est quoi ce truc-là? Là, c'est un petit morceau d'océan. Pourquoi est-ce qu'on a ces éléments dans notre sang, nous humains qui ne vivons plus dans la mer, bien sûr? Parce qu'on vient de l'océan, la vie vient de l'océan. Elle sortira il y a 1 milliard d'années pour les bactéries, il y a 500 000 d'années pour les êtres vivants élaborés, les plantes, les animaux. On a au sein de chacun d'entre nous un petit morceau d'océan. Et je vais continuer comme ça, vous allez voir. Plus ancien être vivant connu, des cyanobactéries, en Australie, 3,45 milliards d'années, qui sont dans les collections à Paris. Et les mêmes. Tout à l'heure, je vous regardais là sur la pelouse. Vous allez voir, il y a une flaque d'eau près de la cafette. Là. Dans cette flaque d'eau, il y a des cyanobactéries. Elles sont là depuis 4000 millions d'années. Alors, au lieu de faire un parking par-dessus ou de faire pipi dans la mare, allons voir comment elles ont fait. Quand les chefs d'entreprise me disent, moi, j'ai une entreprise durable, qui peut me dire une entreprise qui dure 4000 millions d'années? C'est la plus belle entreprise de la Terre, la vie, bien sûr. Et on la bafoue en permanence, on la dégrade. C'est là que, revenons à des connaissances qui sont fondamentales, qu'il faut enseigner à l'école maternelle, jusqu'à la Polytechnique et l'école nationale d'administration. Ils ne savent même pas qu'ils sont faits de bactéries à l'ENA, de toute façon. Ou on ne leur a jamais dit, ou ils l'ont oublié. Comment on fait pour revenir à des choses qui sont tellement essentielles pour qu'on comprenne ce qu'on est, bien sûr, hein. Voilà, alors la vie est passée par des tas de formes, hein, vous les connaissez tous. Le paradoxe, c'est que les petits-enfants maintenant connaissent mieux les dinosaures que les oiseaux de leur jardin. Hein, donc effectivement, hein, il y a du boulot à faire en éducation, hein, ça c'est clair. Ben voilà, c'est quoi la biodiversité? Alors quand je vais saisir ma ministre, je dis « Voilà madame, on est 20 chercheurs en 2012 sur une plage de Guadeloupe. On a fait un énorme trou, 10 mètres de fond.
tous les gamins débarquent, vous faites un trou, vous êtes payé pour faire un trou. Quel métier vous faites? Ah, c'est génial, hein. Et je vous ramène des bestioles que personne ne connaissait parce qu'on n'était jamais allé les chercher. Personne n'avait fait un trou de 10 mètres sur une plage, voilà. Et là, là je vais vous séduire hein, ce soir-là. Je vous montre les trucs. Alors, si ça a des grands cils et des yeux bleus, c'est génial. Hein. Là, je vous garantis que c'est le truc qu'il faut protéger en première priorité. Alors, évidemment, quand je vous montre ça, vous avez raison. Mais ce n'est pas que ça, le vivant. C'est ça aussi. Alors, on me dit, attendez, professeur, attendez, écoutez, on n'a pas beaucoup de sous. Hein. On veut bien vous aider à sauver ce truc. Là, celui-là, oui, ça marche. Mais vous ne voulez quand même pas sauver le machin au gros nez, comme ça. Ou celui-là. C'est aussi le vivant. Ils sont tout aussi importants. C'est l'image que l'on a, en fait, de tout ça qui est très intéressante à regarder aujourd'hui. Donc, si le vivant, c'est pas que des beaux ou des moches, ben voilà, c'est ça le vivant. Voilà. Et bien voilà pourquoi tout le monde doit s'intéresser à cette biodiversité. C'est pas une histoire de d'élucubration d'écolo farfelu, bien sûr. Hein. Sans protiste, je vous ai dit, il n'y a rien qui marche. J'enlève le nickel des couverts et le verre des bouteilles. Il n'y a pas de vivant. On s'y met à élever des vaches. Oui, mais beaucoup trop de vaches. 1,3 milliard de vaches aujourd'hui. 23 milliards de poulets. Il y a plus de masse de poulets que les 10 000 espèces d'oiseaux connus, sauvages connues sur la Terre aujourd'hui. Donc mon message est très clair. Hein. Pas de devenir vegan, moi je ne suis pas vegan, mais de manger beaucoup moins de viande, ça c'est clair. Hein. C'est vraiment très important. La culture de viande a une influence sur le climat et sur votre santé aussi. Hein. Les Français mangeaient 100 kilos de vaches par Français par an. Hein. Ben, je vous garantis que les maladies cardiovasculaires... Vous pouvez être très beau, très bien portant, en en mangeant 10 fois moins, bien sûr. Hein. Et puis, ben voilà, on n'est jamais seul, puisqu'un arbre, c'est une construction vivante avec beaucoup plus de bactéries et de protistes que de branches, de feuilles, de troncs. Et pareil pour un bébé humain, tout est entrelacé, nous sommes complètement entrelacés. Et ça, c'est très important d'y réfléchir en permanence. On fait beaucoup de progrès dans ces recherches, on montre que le vivant est entièrement lié les uns aux autres. Regardez, une goutte d'eau de mer. Les petits pois jaunes sont des virus. Les moyens pois jaunes sont des bactéries. Les gros pois jaunes sont des protistes. Ça, c'est l'ancien ancestral depuis, on a dit, 4000 millions d'années. Le même. Il change maintenant parce que, justement, on le pollue, on le détruit sur le littoral, bien sûr. Hein. On affecte par les surpêches les chaînes de phytoplancton. C'est ça. C'est 13% des espèces connues. Ça, c'est 98% de ce qui vit dans l'océan. Les baleines, les poissons, c'est que 2%. Donc vous voyez l'importance des micro-organismes, bien sûr, dans notre planète. Voilà, regardez ces merveilles qu'on a trouvées lors de Tara Océan. On part en 2009, on revient en 2013, on ramène 600 000 séquences pas connues d'êtres vivants qui vivent dans la surface de l'océan. Un sol, n'importe lequel, ici, on va aller au campus, tout à l'heure, on va gratouiller le sol. Un sol vivant. L'agriculture moderne a tué la moitié des sols. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Dans tous les cas, quoi qu'on fasse avec le monde agricole, j'en dis tous les jours, mais ils sont d'accord, ça vient maintenant. Ramenez de la vie dans les sols. Ne laissez jamais un champ nu. Hein, un champ, il est pas, la nature, elle n'est pas marron, elle est verte. Donc ça veut dire que... Et puis, on fait de la polyculture. On cultive plusieurs plantes en même temps, au même endroit. On peut réussir. Ça, j'y crois très fort. On va y parvenir avec eux, pas contre eux, évidemment. Hein. Et ben, un sol vivant, c'est 2 tonnes 5 de bactéries à l'hectare. 3 tonnes 5 de micro-champignons, qui les connaît? Des tardigrades, des lombriques, des nématodes, des collemboles, des acariens. Ça, c'est un sol vivant. 2 fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan. Vous voyez l'importance des sols, pour nous tous, bien sûr, hein, où qu'on soit. Et dernier écosystème, et ben, c'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance. Il doit y avoir des mamans dans la salle qui ont eu des bébés. C'est intéressant. Ou des papas qui ont assisté à l'accouchement. Hein. Bon, c'est plus facile parce qu'on n'a pas les mêmes douleurs, mais on regarde comment ça se passe. Eh bien, au moment de la naissance du bébé, le moment clé, c'est la rupture de la poche des os. Parce que quand la maman est fécondée par un ridicule petit spermatozoïde du papa, un seul, qui rentre dans le gigantesque ovocyte de la maman, qui est pondu tous les 28 jours, hein, vous en savez quelque chose, c'est pas facile, hein, chez les jeunes filles, eh bien, à ce moment-là, le développement embryonnaire commence. La nidification se fait, donc l'œuf, l'ovocyte fécondé, le zygote, l'œuf, va se mettre dans la muqueuse utérine, puis grandit pendant 9 mois. Il n'y a pas de contact avec le vivant extérieur. Le bébé perçoit des sons, des vibrations, mais il n'y a pas de bactéries. Et au moment de la naissance, après la rupture de la poche des os, les bactéries de l'utérus de la maman, ici, vont aller non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Un bébé humain, il met 3 ans. 3 ans à avoir ces bactéries à lui. Et ça, on l'a complètement oublié. On a fait des énormes bêtises à ce niveau-là.
par exemple, maintenant, quand on fait une césarienne, hein, on récupère des bactéries de l'utérus de la maman et on les réimplante dans la bouche et dans l'anus du bébé. Et ça marche très, très bien, bien sûr. Le bébé sent semence parce que sa maman lui transmet au niveau du vivant. C'est son premier contact avec le vivant terrestre non humain. Regardez, en rouge, c'est donc des gènes de l'ADN de bébé, d'intestin de bébé, ce que je vous ai mis ici. En bleu, des micro-algues. On a un tiers de notre ADN en commun avec les micro-algues de l'océan. On vient du même moule. Deux tiers avec une mouche. 60% avec une banane. Donc quand vous mangerez une banane la prochaine fois, vous allez vous dire, vous n'allez pas la manger comme ça. Vous avez une communion avec elle quelque part. Hein. Ça veut dire que, ah ben oui, tu vas me nourrir, c'est bien. Hein. N'empêche que je partage une grande partie de mes gènes avec toi. Depuis longtemps. Et puis voilà votre lit ce matin. Voilà, c'est quoi? Pourquoi ils sont là? Ben simplement, ça s'appelle des acariens. Chaque humain, parce qu'il a dormi dans un lit, en plus mon truc, ça marche, que vous dormez tout seul ou à deux, ça marche très bien. Vous avez tous, chaque matin dans votre lit, que vous le veuillez ou pas, entre 1 et 2 millions d'acariens. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben ils bouffent vos poils, ils bouffent vos cheveux, toutes les cellules de la peau qui se desquament. C'est ça en fait, la relation vivante que j'évoquais tout à l'heure en fait. Hein. Et j'avais une jeune fille qui me dit un jour, oh là, j'ai une petite fille, elle a 2 mois, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors ce que tu fais, c'est que tu prends ta petite fille, tu la blottis contre toi comme ça le ferait une maman, tu lui donnes son bain, et puis surtout, tu ne la remets pas bien humide à 37. Sinon, je double la population d'acariens pour le lendemain. Ce que tu fais, tu la gardes dans tes bras, tu laisses le soleil frapper les draps, et puis dans ce cas-là, je vais éliminer une partie des acariens en question. Il y a un petit garçon qui me dit récemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des cours qu'aux étudiants de votre âge, il faut aller voir les petits. Il avait vu quand même que c'était moche, les acariens, il avait la trouille, mais il me dit, il avait vu que je les aimais quand même, moi. Alors il ne voulait pas me faire du mal. Il me dit, mais quand je me lève faire pipi la nuit, que je reviens au lit, j'écrase mes acariens. Je dis non, ils sont trop petits, je l'ai rassuré. Malgré la mocheté des acariens, je l'ai rassuré quelque part. C'est des choses comme ça qu'il faut vivre pour pouvoir les raconter par la suite. Hein. L'histoire a commencé avec la domestication du feu en Afrique, il y a 1,5 million d'années, puis le néolithique, où là on invente effectivement l'élevage, et puis l'agriculture, hein, il y a 12 000 ans, puis la machine à vapeur, charbon-pétrole, et là tout va changer bien sûr. Du jour au lendemain, on passe du cheval animal au cheval vapeur, et on va se mettre dans la situation dont Jean Tirole vous a parlé, avec le charbon et le pétrole, bien évidemment. Hein. Et puis Hiroshima et Nagasaki, pour moi c'est une date intéressante parce que c'est la première fois que l'humain, par sa technologie, sa culture, son inventivité, crée un événement qui ressemble beaucoup à un événement catastrophique extérieur. J'ai fait un papier dans Le Monde récemment où je comparais Hiroshima à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. L'humain est pour rien là-dedans, mais 60 000 morts en 10 minutes. Donc l'humain, à l'époque, quand vous relisez les textes de l'époque, on ne dit pas je joue à Dieu, je suis Dieu, on est capable de. Et ça a déclenché toutes les questions de guerre froide que vous avez connues après dans les années 60-70. Et surtout, deuxième intérêt de la date, c'est là qu'on va commencer la démographie dramatique, puisqu'on va multiplier par 4 les humains depuis 1940. Sur combien de temps encore? -5. Moi, je vais arrêter là. Sur une dernière image, c'est celle-ci. Voilà, je vous emmène à Chauvet. J'ai eu la chance d'aller 2 fois à l'original de Chauvet. On en pleure à chaque fois. Chauvet, bon, c'est un privilège puisqu'on permet à 2 fois 5 humains par an d'y aller. Chauvet, c'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 20 000 ans. Là, c'est 37 000 ans. Ils n'ont que 2 pygmées à l'époque à leur portée, le charbon de bois et l'oxyde de fer, hein, le rouge. Et qui dessine comme ça? Et regardez en France, en Ardèche, il y avait des panthères, hein, mes amis africains. Il y avait des hyènes en France, en Ardèche. Il y avait ces lions qui sont ici. Il y avait des rhinocéros, des chevaux. Et là, Jean-Marie Chauvet découvre cette grotte et la révèle au monde le 19 décembre 1994. Et là, on met le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, ils ne sont pas devant eux quand ils les dessinent. Ils sont au fond d'une grotte à 300 mètres de profondeur. Et ma seule question, ça va être la suivante. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi ils ont fait ça? Donc quand on me dit aujourd'hui on ne sauve que ce qui sert à quelque chose, je me pose quand même pas mal de questions. On oublie les questions spirituelles, pas religieuses évidemment, hein, mais la spiritualité, l'émerveillement que j'évoquais sont fondamentaux chez l'humain. Je passe à la fin. Voilà, ça vous résume un petit peu tout ça. La démographie humaine. Donc on est à peu près 5 millions d'humains il y a 12 000 ans. Quand on s'arrête de bouger, on invente agriculture et élevage. Et puis l'humain se multiplie. Les 2 seules fois, on est allé en arrière. Ce n'est pas des guerres. Ce n'est pas du terrorisme. Ce sont des maladies infectieuses.
la peste de Justinien au IVe siècle qui effondrera l'Empire romain, les pestes noires du Moyen-Âge. Comment c'est venu? De Chine encore, intéressant. Hein, la peste est une bactérie, Yersinia pestis, qui vivait sur la gerbille. La gerbille, c'est un petit rat avec une grande queue dans le désert, et la puce de la gerbille est passée aux rats. Les rats viennent aussi de Chine. Et donc, le rat qui infestait les bateaux transportait la puce qui transportait la bactérie en question. Et quand vous relisez les textes sur Marseille, par exemple, puis l'humain était assez incroyable pour mettre un cadavre de pestiféré sur une catapulte et la balancer dans le château fort. Hein. C'est le problème des EHPAD, c'est pareil. Un EHPAD, c'est comme un château fort. Hein. Si le virus ne rentre pas, ça va, mais s'il rentre, bonjour les dégâts, comme on disait à une époque. Quoi, hein. Et ça part comme ça, en fait. Hein. Et puis la seconde raison, c'est le H1N1, le virus 2000, qui est un virus bien connu, qui donc démarre en 1918. Il est parti de l'élevage de canards aux États-Unis et il tue presque 100 millions de personnes. Donc vous voyez que, réfléchissons à tout ça, il faut tirer parti de tout ça. Et je terminerai en vous disant que pour moi, l'arme, la question essentielle au point de vue de la créativité humaine, c'est l'arme. Regardez ça. C'est le seul outil, la seule arme de l'humain pendant... depuis 3 millions d'années, c'est la même en Afrique, partout. On taille un caillou. D'ailleurs, Boucher de Perthes, qui l'a décrit, appelle ça un galet aménagé. Et puis, on passe un jour à l'arme de jet, et tout va changer. Les animaux qui étaient nos prédateurs vont s'inquiéter aussi. Hein. Ils vont être tranquilles. Je tue à distance avec un propulseur, avec une lance, avec un arc et des flèches. Ça, c'est 8000 ans. On invente la roue il y a 7000 ans. On va transporter des grosses charges sur des grandes distances. Et l'arme de jet change tout. C'est plus du corps à corps. D'ailleurs, aujourd'hui, quand les chasseurs m'énervent un petit peu trop, je ne suis pas anti-chasse, mais des fois, ils m'énervent quand même. Hein. Eh bien, je leur dis, voilà, je te file un biface, va me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances hein, dans ces conditions-là. Hein. Donc voilà, c'est tout. Et l'humain a complètement tout bouleversé, et donc il s'est multiplié, grâce aux âges des métaux, à la roue, à l'irrigation agricole, aux villes, aux moulins à eau et à vent. La poudre noire, 1250, on tue à distance. Et puis ensuite, bien sûr, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Tout ça a fait qu'on a explosé complètement sans capacité à réguler les populations. Donc je terminerai simplement en vous disant une chose, c'est que allons s'inspirer du vivant. Pour des raisons très simples, c'est que le vivant, en fait, par rapport à nous, a des avantages. D'abord, il est là depuis très longtemps, donc ça ne marche pas si mal que ça. Le vivant innove tous les jours, en permanence. Il faut qu'on innove. Pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Ma libellule, je vous ai dit, elle vole à 100 km avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Vous imaginez ce que c'est ? Allez sur le centre de Bordeaux, il y a un manège qui s'appelle Banzai. Là, hein. On vous centrifuge. Alors vous avez payé 10 euros, vous avez vomi votre 4 heures, vous êtes content, 4G. Elle prend 30 G, ma libellule, depuis 345 millions d'années. Comment elle fait ? C'est cette arrogance que je combats. Ensuite, le vivant fait tout avec des éléments qui sont simples, on l'a dit tout à l'heure. Le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. On a inventé, nous, 50 000 molécules depuis 1950 de la chimie de synthèse qui nous empoisonne tous les jours. Le vivant fait des poisons terribles, mais il sait les dégrader. Le vivant utilise ce qui était simple dans le milieu naturel, avec parcimonie les éléments rares. Donc ma conclusion, et j'arrête vraiment là-dessus, il faut qu'on change notre économie pour passer à une économie qui aujourd'hui ne tolérera plus le profit construit sur la destruction du vivant ou sa surexploitation. C'est jouable, mais pour ça, il faut changer. Merci. Merci. On va passer aux questions. Vous aurez remarqué qu'on ne fait intervenir que des conférenciers optimistes. D'ailleurs, ils nous disent à longueur de conférence qu'ils sont optimistes, donc je ne sais pas pourquoi ça nous pose autant de questions. Mais voilà, donc on passe aux questions. Tu as un micro aussi, Mathieu ? Chacun sa moitié ? En avant. Est-ce que vous avez des questions ? Non. J'ai cru voir une main se lever, pas du tout. Oui. Non, c'est le micro qui parle. Vas-y. Lève-toi. Bonjour. Je suis Leïla Douib, je suis responsable juridique chez Dassault Systèmes. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, si on essayait de tirer un peu des enseignements concrets, ce que vous venez de nous dire, je pense qu'on a tous conscience de l'urgence climatique, de la nécessité de préserver la biodiversité. Donc je retiens manger moins de viande. Oui.
ne pas aller embêter les chauves-souris en oui, Chine. Leur foutre la paix. Sur les terres aussi agricoles, essayer de continuer à travailler les terres. Beaucoup moins de pesticides, c'est clair. Moins de pesticides. Et donc, bio et moins de mécanisation. Alors là, je m'adresse aux femmes. Une femme enceinte ne devrait jamais manger du non-bio. Ah ouais. D'accord. Après, on peut les gens âgés, ils peuvent manger un petit peu. Mais les femmes enceintes, il faut qu'on trouve un système. Parce qu'il y a des gens, femmes enceintes très pauvres qui ne peuvent pas s'acheter. Il faut qu'on ait un système social qui fasse qu'une femme, durant les 9 mois de la grossesse, puisse avoir accès à de l'alimentation très saine. D'accord. Mais même pour le reste de la population. Bien sûr, on est d'accord. Mais particulièrement là, on sait maintenant les désordres que ces pesticides créent sur le développement cérébral du bébé, en fait. D'accord. Les perturbateurs endocriniens. C'est pas un mythe, parce que moi, par exemple, je me suis mise au bio, et tout le monde est. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un peu un caprice de riche, mais du coup, c'est pas un mythe que c'est. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle bio. Vous avez vu mon blog, lui, il est malade avec le bio, c'est génial. J'adore raconter ça pour montrer l'émerveillement du vivant. Ça veut dire que ça dépend des circonstances. Il y a une époque, sur des haricots verts, ils avaient montré que les bio étaient plus toxiques que ceux qui n'avaient pas été traités. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, dans quelles conditions, ce qu'on achète. En gros, je dirais aujourd'hui que sur l'achat de l'alimentation, si tu veux, il faut payer le prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut un monde agricole demain qui fasse attention, si on les paye normalement, eh bien, ils arrêteront les pesticides, en fait. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans l'achat d'un Français moyen d'aujourd'hui, l'alimentation coûte pour 12 à 14% de ce qu'on dépense par mois, ou par jour, comme vous voulez. Hein. C'était plus de la moitié il y a encore 40 ans. Donc, vous êtes le reflet de ce que vous mangez, payez correctement ce que vous mangez, puis on mange trop. Hein. 3 000 kilocalories, au début du siècle, on en mangeait 1 500. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder. Mais encore une fois, c'est dans la mesure, tout ça. Hein. Mais c'est vrai que ce qu'on mange est très très important, bien sûr. Ce qu'on respire aussi, bien entendu. Ce qu'on boit, bien sûr, aussi. Bon. Il y avait la dame aussi, là. Oui. Du coup, bonjour, je m'appelle Saul. Moi, j'ai une question par rapport aux allergies. Est-ce que vous pensez des allergies? Est-ce que c'est une adaptation ratée? Est-ce que c'est notamment aux allergies alimentaires? Ah, alimentaires. J'allais parler des acariens, là. L'allergie à des êtres vivants, ben, les acariens, par exemple, on travaille beaucoup là-dessus maintenant. Par exemple, tu vois, quand on regarde les bébés français, les gamins, il y avait 5% d'asthmatiques. Maintenant, c'est 15 ou 20%. C'est probablement lié au fait qu'on n'est plus assez parasité. Il faudrait l'être un tout petit peu. Alors, les oxures du gamin, bon, ça grattait un peu l'anus, on entend, c'était un peu gênant et tout, mais c'était bien mieux qu'effectivement d'être complètement clean. On a fait une manip récemment sur des bébés danois. La manip serait interdite en France. Hein. On a pris des cohortes de bébés de crèche, mais petits, hein, 5 mois en crèche, et on a fait 4 cohortes. Une super aseptisée. Tout ce qui bouffe, tout ce qui touche, ça a été stérilisé. Et le dernier, bon, il sort dans la cour bouffer un truc qu'il trouve dans le jardin. Il fallait encore un peu trop de pieds à 5 mois, mais un peu après. Eh bien, je t'assure qu'au bout de 2 ans, on voit la différence. Donc, ça veut dire que clean, oui, mais pas trop non plus. Et c'est là qu'on a eu ce désordre. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales d'hôpital, où là, on rentre dans une chambre toute neuve, hein, une salle d'opération. Je sais que si j'ouvre le type là-dedans, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il reste un seul être vivant. Banal, hein. Pseudomonas, aéromonas, streptocoque. Mais il est mortel parce qu'il réagit, il a trouvé les parades à tous les antibiotiques connus. Donc, et là j'ai un ami médecin qui me dit quand ça m'arrive, je fais un truc qu'on m'avait interdit à la fac de médecine, j'ouvre la fenêtre et ça marche. Donc pour répondre à ta question, c'est de dire que les allergies viennent beaucoup effectivement d'un truc qui est trop cliné. Alors l'énergie alimentaire, par contre, on les a construites aussi. Hein. Par exemple, les allergies au gluten, il y en a, mais ce n'est pas du tout au niveau de ce que les gens racontent et prétendent partout. Par exemple, le lactose, c'est très important. Il y a des bébés humains allergiques au lait de leur maman. Ça, pour un mammifère, c'est un peu empoisonnant quand même, parce qu'ils ne bouffent que ça au début. Là, il faut vraiment intervenir médicalement. Dans la nature, ils seraient éliminés, ces bébés-là, bien sûr. Hein. Intolérance au lactose, on ne peut pas digérer du lait, donc on disparaît. Nous, on digère le lait que depuis très peu de temps. Les humains, en fait... Chez l'humain adulte, le lait n'est pas recommandé. Moi, je ne vous le recommande pas, passez votre âge. Hein. C'est pas très bon. Ça se digère très mal. Et comment on arrive à le digérer? Parce que les pasteurs d'Asie centrale, qui ont commencé à élever des chamelles, hein, des femelles de dromadaires, qui ont élevé des vaches, qui ont élevé aussi des juments, hein, de chevaux ou des brebis, ont commencé à faire des fromages. Mais c'est récent, hein, ça date de quelques siècles. Hein. Et les humains ont acquis, quelques siècles ou 2 millénaires, ont acquis la possibilité de digérer le lait. Et des populations, moi je tue des gens, et s'ils leur donnent du lait à des Inuits ou des gens dans des régions du monde où on ne boit pas de lait. En plus, l'humain, il boit du lait, surtout de vache, hein, après. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que l'allergie,
Mais ce qu'on voit très bien, par contre, et ça c'est intéressant, on n'a pas toutes les réponses, hein, elles augmentent beaucoup par rapport à ce qu'on vivait. Mais il y a des allergies qui sont liées aussi à la pollution de l'air, évidemment, bien sûr. Hein. On respire aujourd'hui des toxiques dans l'air qui nous posent des problèmes. Il faut bien savoir que l'air qui arrive dans nos poumons, hein, vous savez comment, donc j'inhale de l'air, très bien, il passe dans ma trachée, dans les alvéoles pulmonaires, et une fois passé les filtres des alvéoles, il arrive cliniquement pur, en fait, à l'échange avec le sang. Hein. Mais s'il est trop chargé, ben ça demande un effort très important. Et on a des maladies où les gens ont des gros problèmes, ben tous les problèmes de respiratoires, hein, et le Covid, il cogne beaucoup là-dessus. Les gens qui ont la mucoviscidose, par exemple, il faut des kinés respiratoires très fortes tous les jours pour qu'ils puissent jouer ce rôle de purification de l'air qui arrive en contact avec les poumons. Et vous savez qu'ils meurent vers 25 ans, ça se termine par une grève totale, cœur-poumon. Donc les allergies sont vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Mais c'est comme effectivement aujourd'hui les problèmes qui sont liés aux maladies auto-immunes. Hein. On a une glande thyroïde qui commence à nous poser des problèmes parce qu'elle réagit à quelque chose, c'était pratiquement pas connu avant. Il faut voir aussi, pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a plein de maladies qu'on a parce qu'on vit beaucoup plus longtemps aussi. Hein. 300 maladies en France depuis 1940, nouvelles. Exposition au soleil, personne n'allait à poil sur une plage avant 1940, ça se faisait pas du tout, hein. Terminé ça a été inventé depuis, hein. Vous rappelez ces superbes filles dans les magazines australiens des années 70, là, magnifiques, toutes bronzées, elles sont toutes mortes de cancer de la peau, hein. C'était terrible, hein. Donc c'est pour réfréner vos ardeurs, hein. Hein. La couleur de la peau, c'est super intéressant, c'est pas par hasard, c'est des gens qui sont plus foncés que d'autres aussi. Et puis enfin, effectivement, il y a aussi la question qui est liée au vieillissement. Hein, Alzheimer, bon, ça existait, mais c'était vraiment peanuts, quoi. Donc c'est vrai aujourd'hui que, si j'enlève ça, les maladies nouvelles sont liées au changement climatique ou bien aux zoonoses, hein, ce qu'on appelle des sauts d'espèces. 1976, c'est là que plein de trucs commencent, le sida, hein. On ne connaissait pas trop avant. C'est les hépatites, on connaissait la A, B, C, ça repart. Les légionella, super, super dangereuses. Des salmonellas aussi. C'est vrai que c'est parti à une époque où ben, les modes de vie ont changé, on vit plus longtemps, et donc on s'offre. Et puis ce n'est pas par hasard que le Covid il cite d'abord les personnes âgées. Hein. Il faut bien voir qu'une grande majorité sont morts après 85 ans. 85 ans, pour les femmes françaises, c'est un an de plus que l'espérance de vie. Et chez les garçons, c'est 5 ans de plus. Hein. Donc c'est vrai, quand on meurt à 95 ans du Covid, ben on a déjà 15 ans de plus que la moyenne de vie de la population. Tout ça, il faut le prendre en considération, c'est important. Mais les allergies, vous avez raison, c'est une vraie question. C'est comme ce qu'on appelle, nous, l'antibiorésistance, qui est un sacré problème aujourd'hui aussi. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je pense que vous avez transmis des connaissances qui me semblent essentielles de comprendre, de connaître, en tout cas de réfléchir et peut-être de prendre conscience. Et je pense que je pourrais vous écouter parler pendant des heures. Donc ma question sera plutôt... Ma question, ça va être plutôt pour vous amener à parler encore plus. Là, je vois l'ouvrage Biomimétisme de oui. Janine Benyus. Oui. Et ça, je connais un petit peu le biomimétisme. Il me semble que ça peut être des solutions pour le futur. C'est dans mes solutions, oui. Et du coup, j'aimerais que vous puissiez nous en parler un petit peu de ce biomimétisme. Alors, nous avons eu la semaine dernière, hein, à Paris, à la Villette, Biomime Expo. Donc chaque année, moi je suis le président du CEBIO. Ce CEBIO, c'est le Centre International d'Études et d'Expertise en Biomimétisme et Bio-Inspiration. Ça paraît compliqué. C'est un groupe de chercheurs avec 150 entreprises. Peut-être certaines sont dans la salle d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que notre but, c'est d'aller chercher des solutions dans le vivant. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, pas polluantes, qui marchent. Je vais vous donner une définition du biomimétisme. Je vais passer une image de... Où est-ce que j'ai posé mon... je l'ai à la main, Voilà, c'est ça, s'inspirer des formes, des mécanismes, des matériaux. Ce petit bestiau-là, il est capable de faire de l'eau dans un désert où il ne pleut jamais. Elle fait du béton armé, sans pression, sans température élevée. On a une petite diatomée de Méditerranée qui fait du verre. Elle fait du verre sans température élevée, sans pression, incassable, auto-nettoyant et beaucoup plus léger que le nôtre. Qu'est-ce qu'on attend ? Saint-Gobain est parti avec nous maintenant pour faire ça aussi. Donc ça va venir un petit peu partout. Hein. Mais tout ça, c'est super intéressant. Les CX, ici, pour les trains les plus rapides du monde et les plus silencieux, on a fait deux bio-inspirations, le CX de pénétration dans l'air et le silence d'un hibou. Parce que si le hibou fait du bruit, il ne bouffe pas. Donc il n'y aurait plus de hibou. Donc tout ça, c'est très, très intéressant de s'y pencher pour qu'on puisse y réfléchir. Donc c'est ça le biomimétisme, hein. Chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de documents que je pourrais vous indiquer si vous voulez là-dessus. Voilà, je vous laisse les avantages du vivant et on continue sur les questions. Coucou, bonsoir.
Il y avait la dame aussi qui avait posé une question. Là. Ah. Fini, elle a oublié sa question. Non ? Allez-y. Okay. Bonsoir, je m'appelle Constance. Bonsoir, Constance. Je me suis beaucoup amusée en vous écoutant. C'est bien. Il faut de l'humour pour raconter des choses qui sont difficiles des fois à entendre. Ouais, mais du coup, je trouve que ce n'est pas si difficile que ça. Non. Finalement, parce que c'est très clair et du coup, on sait ce qu'on doit faire pour faciliter les choses. Finalement, enfin, moi, mon point de vue, je ne suis pas du tout dans le combat, mais juste dans l'accompagnement des choses qui se font. Et merci de nous enrichir intellectuellement pour qu'on soit plus conscient des actes qu'on pose dans notre quotidien. Du coup, j'ai une question pour vous. Vous avez évoqué la spiritualité tout à l'heure. Oui. Vous avez évoqué les chiffres de la démographie ouais. qui montent en flèche. Est-ce que la peur de la mort chez l'humain est aussi en lien avec ce qu'on observe, avec l'hygiénisme à tout prix de faut préserver tout le monde, vivre longtemps, ralentir question. La vieillesse. Oui. Et du coup, si spirituellement, on arrête d'avoir peur de la mort et on apprend à l'accueillir, parce que finalement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et du coup, si on accueille ça, ben, de ne pas avoir peur des maladies, des virus et de se laisser juste vivre. J'apprécie beaucoup ta question, tu sais, Constance. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens... Il y a même des gens qui nous disent aujourd'hui, qui sont des super ingénieurs, qui nous disent « the death of the death », ils veulent tuer la mort. Ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est effrayant et effroyable. La mort est nécessaire à la vie. Hein, imaginez tous les jeunes que vous êtes, si tous les vieux à 147 ans, 383 ans sont encore là, je ne sais pas, vous êtes à votre place pour demain, hein, c'est un vrai problème. Hein. Qu'est-ce que vous allez bouffer ? Donc, c'est très important d'admettre, hein, la mort est nécessaire à la vie. Nous, biologiquement, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'il y a des espèces qui vivent des choses incroyables. Hein. Le petit tardigrade tout à l'heure, là, je vous ai montré un rat taupe nu à un moment, un truc horriblement moche. Il vit 50 ans et pour un rongeur, c'est incroyable. À un moment de sa vie, il sait arrêter sa vieillesse. Donc on fantasme là-dessus, on va devenir comme lui. Non, c'est pour ça que la spiritualité est tellement, tellement non religieuse, j'indique bien, hein, est fondamentale là-dedans, parce que l'humain, c'est autre chose que tout ça. L'humain, ce n'est pas que la performance qu'on met toujours en avant, en fait. Hein. Et aujourd'hui, il y a plein de choses. Regardez depuis ce matin ce que vous avez fait depuis ce matin. Réfléchissez à ce que, depuis que vous êtes réveillé ce matin. Vous avez fait plein de trucs qui ne servent absolument à rien, mais qui vous ont apporté du bonheur. Voilà. Et ça, comment on le mesure, Constance, hein, dans les projections qu'on fait aujourd'hui dans le futur, comment on le fait? Et quand je parle avec un chaman amérindien, tu vois, on travaille beaucoup avec les Kogi en Colombie, avec des... Le chauffeur qui m'a amené était Paul tout à l'heure. J'ai eu un plaisir fou à discuter avec un ami Paul qui m'a amené en taxi ici, là. On travaille beaucoup avec les gens avec les Bishnoi d'Inde. Et ce qui m'intéresse beaucoup pour le vivant par rapport... Le climat, c'est de la physique et des mathématiques. Donc c'est vrai que suivre ce qui se passe, prévoir, ça demande des super ingénieurs. Pour le vivant, c'est différent. Il y a des connaissances partout, hein. Et à tous les niveaux. Donc maintenant, de plus en plus, dans les grandes réunions internationales, on a des entreprises, on a besoin d'entreprises, mais on a aussi cette spiritualité des peuples dits premiers. Et pour vous illustrer ça, quand on a fait l'IPBES, donc on est le 6 avril 2019, on publie les 13 ans d'observation du vivant, et bien on se rend compte que le vivant, partout, il s'en va, mais beaucoup moins dans les territoires gérés par les populations autochtones. Donc, il y a une connaissance du milieu, il y a un respect. On demande à l'animal, avant de le tuer, sa permission, tu vois. Qu'on mange une baleine chez les Inuits, c'est normal. Ils vont en manger 2 ou 3 par an. Elles ne sont pas chassées de façon systématique comme on l'a fait après. Tout ce respect du vivant qu'il nous faut. Gardez au fond de vos jardins un peu de plantes. Mon ami là, qui fait des décoctions à partir des plantes du jardin, bio, m'a-t-il dit, c'est génial. Hein, on a une diversité incroyable. Aujourd'hui, nous, on est en train de remédier des terrains à Paris horriblement pollués par des industries. Il y a du cyanure, il y a du plomb, il y a du mercure, il y a du cadmium par des plantes remédiatrices. Des plantes qu'on est allé chercher en Calédonie, par exemple. On a une petite plante qui stocke 13% de nickel dans sa sève. Ça tue toutes les plantes sauf elle. C'est magique. Il faut, c'est ça, la bioaspiration. Comment on va en tirer parti pour faire quelque chose? Mais pour ça, il faut 3 qualités. Tuer l'imprévoyance, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, avoir une culture de l'impact. Si je fais ça, il peut se passer ça. L'arrogance, surtout masculine, on l'a dit tout à l'heure, hein, bien sûr. Et puis, la cupidité. Alors, les femmes sont aussi cupides que les garçons. Alors, sinon, elles sont amoureuses d'un mec cupide, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très important à garder. Et puis, surtout, toujours dans la même idée, en fait, hein, ne pas détruire. Parce qu'on me dit, tout ça va résilier. Oui, le milieu vivant peut résilier, mais on ne peut pas résilier si on est mort. Donc il y a des vraies questions à aborder là-dessus en permanence.
Bonjour, je m'appelle Alex et je suis lauréat de l'Institut et je voulais vous poser une question sur les poissons et l'eau. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais actuellement, il y a un projet de forage pour un parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Oui. Ça fait 7 mois que ça a commencé. Ils ont foré un emplacement sur 63, déversant 17 km de liquide hydraulique dans l'eau. Et du coup, s'ils continuent à ce rythme, il va leur falloir 30 ans pour finir le projet. Et je voulais savoir votre avis. Est-ce que si ça continue pendant 30 ans, les poissons vont pouvoir revenir après la pollution sonore et tout le reste? Ou est-ce que ça va vraiment tellement affluer qu'ils vont devoir partir et qu'on va perdre une biodiversité de la baie? Tu sais bien qu'il n'y a pas que les poissons. Hein, oui, les fleurs. Et les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Hein. Qui sont les meilleurs du monde. Mais... Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai, ce que tu dis juste, si ça dure 30 ans, ça va être trop perturbant. En fait, la question sur l'éolien, moi je suis pas contre l'éolien, hein, mais je préfère en mer que sur terre, ça c'est clair, parce que les Danois nous ont montré qu'on peut les faire dans des cas particuliers. Faut pas les faire dans des zones d'exploitation, il faut aller plus loin. Donc aujourd'hui, parce que le problème c'est qu'on veut pas de nucléaire, moi je peux comprendre ça, on en parlera après tout à l'heure si vous voulez. On veut pas de panneaux solaires parce que ça pollue, on veut pas d'éolien, dans ce cas-là il n'y a plus d'ordinateur, hein, comment on fait? Donc c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Maintenant, moi, je n'aurais pas fait le parc, là, évidemment, ça, c'est clair. Donc je l'ai vu, les conflits, moi, j'ai vécu les conflits. À l'époque, je présidais le conseil scientifique de l'Agence pour la biodiversité. On avait un avis à donner. Et ce qui s'est passé sur la mer du Nord, c'est qu'en fait, au large, on aurait accepté. Mais là, les gens ont été contre, alors qu'ils ne sont pas contre l'éolien, parce qu'ils prenaient en partie dans le parc marin. Or, si on a fait un parc marin, c'est quand même pour protéger le système. Donc ta remarque est parfaitement pertinente, hein, bien sûr, évidemment. Oui. Bonjour, je suis Daïna. Oui, Daïna. Je suis lauréate de l'Institut de l'engagement. Très bien. Et je vous remercie pour votre exposé. J'ai aimé vous écouter. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des personnes autre part dans le monde qui n'ont pas cette éducation. Bien sûr. Et que... ils font vraiment des dégâts sur ce problème climatique. Bien sûr. Et c'est des dégâts que je trouve qui sont assez néfastes. Et que non seulement ils ne sont pas éduqués, en fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Oui, bien sûr. J'ai entendu plein de débats sur ce sujet, le problème climatique. Mais est-ce que c'est ce côté-là du monde qui a besoin vraiment? Parce que, en fait, on est d'accord que c'est tout le monde qui doit faire quelque chose pour la sauvegarde de la planète. Donc, je ne sais pas si c'est une question, si en fait, je ne sais pas si c'est une remarque. Mais c'est bien ce que tu dis là. Mais selon vous, bon, je vais essayer de poser la question. Comme tu veux. Selon vous, comment aller vers ces personnes? Et comment les expliquer ce qu'ils font? En fait, on serait les premiers voilà. Je vais te répondre. Je suis très copain avec Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est cet homme qui a volé avec Solar Impulse, là. Et hier soir, à la télévision, il a dit un truc très chouette. Il a dit, les psychopathes, alors les psychopathes, ce sont des humains, beaucoup plus d'hommes que de femmes, qui n'ont... aucune empathie pour personne. Ça veut dire qu'on fait souffrir quelqu'un et on est incapable de se mettre à sa place. Et puis, ça ne nous gêne pas s'il souffre. 3% des humains sont des psychopathes. C'est tous les pervers narcissiques, tout ce que vous voulez. Et il me dit, dans le monde politique, ils sont 20%. Donc, ça veut dire que là, il faut qu'on regarde ce qui se passe, tu vois, pour répondre à ta question. Moi, je dirais aujourd'hui qu'on est 8 milliards d'humains. On arrive à 8, on est 7, 9. Si j'arrivais déjà à toucher 4, ça m'irait déjà bien. Alors, les gens qui ne sont pas éduqués, comme tu dis, comment on fait pour les éduquer? Il faut commencer chez les tout-petits. Tout à l'heure, vous avez vu, vous avez tous rigolé sur le petit garçon qui me demandait si elle allait écraser ses acariens. C'est génial. Eux ont de l'empathie, eux ont une envie de voir le monde et de s'émerveiller sur tout ça. Donc, éduquer tous ceux qui ne sont pas éduqués. Et parmi les éduqués, il y a un cynisme certain de certains que tu évoques ici. Moi, je me rappelle en Afrique, quand j'y allais beaucoup... Je disais à un chef d'État africain, n'importe lequel, il me dit, adaptez-vous au changement climatique, mais il se mettait en colère. Il avait raison. Il me disait, mais attendez, vous me demandez de m'adapter à quelque chose que je n'ai pas créé. Entre le Japon, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, on a créé le changement climatique. Hein. Je crois qu'il y a 47 entreprises sur les milliers qui doivent polluer pour les deux tiers de la pollution de la planète, hein, en matière d'impact carbone qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est ceux-là qui doivent faire des vrais efforts. En plus, ils savent bien ce qu'ils font. Donc il y a ce cynisme-là qu'il faut qu'on combatte. Hein. Ça, c'est question d'avoir des femmes et des hommes de bonne volonté et qu'on s'oppose à ce qu'ils font. Il ne faut pas se laisser faire. Hein. Einstein disait un très beau truc. Il disait « Le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides. »
il va mal des gens normaux qui les laissent faire. Voilà, c'est tout. Et ben voilà, c'est là que la réponse à la question, elle est là. Il ne faut pas les laisser faire. Si on arrête d'acheter leurs produits, c'est fini. Tu sais, la meilleure carte de vote, c'est la carte de crédit, en fait. Si ces pollueurs qui vendent tous ces pesticides et tout, on ne leur achète plus leurs produits, ils s'arrêteront. Donc il y a des entreprises avec lesquelles je n'irai jamais travailler. Mais je terminerai en vous disant quand même une chose, c'est que moi, je crois très fort aussi à l'entreprise. Hein. Je pense qu'il faut un système à quatre piliers. Il nous faut la science. Pas les opinions, la science hein, établie. Et on a confondu durant la Covid la science en marche et la science établie. Ça, c'est dramatique, ça. Aujourd'hui, je peux aller dans la rue et je vais dire à quelqu'un, voilà, est-ce que la chloroquine de Raoult marche ? Le type, il a une opinion. Il n'en sait absolument rien, évidemment. Nous, on n'en sait rien. Donc, j'attendais, il y a un problème quelque part. Comment on a communiqué, tu vois ? Donc, ça, il faut faire attention à ça. Et la science établie, bah, c'est que l'eau se prend en masse à 0 degré, que la Terre est ronde et qu'on tourne autour du soleil, tu vois, c'est ça. Après, c'est la politique. Alors ça, on pourra en parler dans quel type de politique. Et moi, je crie très haut et fort. L'écologie n'est pas que le fait des seuls écologistes. Il faut d'écologie partout. Ensuite, ça va être ben, nous tous, les citoyens que vous êtes, engagés en plus, institut d'engagement, hein, les ONG, bien sûr, hein, et puis les entreprises. Je ne crois pas du tout, moi, à un monde qui changerait sans une forte volonté d'entreprise de changer. Et pour faire changer l'entreprise, pour répondre à ta question, il faut un peu les pousser au derrière, hein. Parce que l'homme politique qui me pose problème, c'est que s'il est obsédé par sa réélection, ça ne marche pas. Parce que ça veut dire que comme tu es élu sur un petit territoire pour pas longtemps, elles sont difficiles les décisions à prendre. Elles sont courageuses, difficiles, elles sont impopulaires, on l'a vu avec les gilets jaunes, tu vois. Donc comment est-ce qu'on fait ? Un mandat un peu plus long et il dit voilà, vous allez, ça va être un petit peu rude quelque temps, mais c'est pour éviter beaucoup plus de souffrance demain. Et les hommes politiques ne sont pas préparés pour faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends une décision sur le climat, par exemple, que je sais qui va impacter dans 10 ans ou 20 ans. On ne fait pas. Donc là, on a un vrai travail là-dedans à créer. Hein. Ces deux femmes qui ont créé un très joli papier, elles appellent ça la myopie du désastre. Je trouve ça très, très beau. Et c'est vrai que c'est une théorie économique au départ, la myopie du désastre. Devant des événements qui sont très rares, on finit par assimiler la probabilité d'occurrence à zéro, alors que ce n'est pas zéro. Et deuxièmement, on a oublié les trucs délétères du passé. Cyrulnik nous dit, quand on a vécu des traumas profonds, et heureusement pour nous d'ailleurs, hein, dans le coin du cerveau, on ensevelit ce qui est vraiment désagréable et délétère pour qu'on puisse continuer à vivre et puis à résilier, puisqu'on n'a pas été détruit. Donc c'est tout ça. Tout est lié en fait. Hein. Donc éduquer, c'est fondamental. C'est pour ça que moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et puis d'échanger avec vous. Hein. C'est très important à tous les âges. Hein. Et puis surtout, ben, on a dit... Hein, beaucoup moins d'intolérance, beaucoup moins d'imprévoyance. Développer une culture de l'impact. Maintenant, à partir de soi, quand vous allez faire quelque chose, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est génial. D'abord, ça vous préserve d'Alzheimer. Vos neurones, ils marchent jusqu'au bout, tu vois. Hein. Et puis ensuite, ben, t'es moins surpris si tu vis des événements difficiles parce que tu les auras plus ou moins jamais prévus entièrement, mais imaginés quelque part. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement auprès de chacun. Et puis un changement global au niveau des systèmes. Ce qui est clair, c'est que pour le climat, si on n'a pas une considération mondiale, ça ne marchera pas. Hein. Et sinon, on fait des efforts et pas les autres. Maintenant, je m'énerve quand on me dit ouais, les Français sont que pour 1% de changement climatique, donc on ne fait rien. Non, on ne peut pas dire ça non plus, comment on travaille. Donc il y a plein de choses qui sont très subtiles à discuter. Et si c'était facile, on aurait déjà trouvé des solutions. Mais il y en a, hein. On peut très bien demain changer l'agriculture. On peut arrêter de salir l'eau. On peut arrêter de tuer le vivant. On peut arrêter de surpêcher. On peut arrêter de déforester. On peut arrêter de polluer. Ce qui est beaucoup plus compliqué, là, c'est le climat, hein, parce que c'est parti. Et l'inertie est telle que ça va durer longtemps. Bonsoir. Moi, c'est Imène, du coup, lauréate de l'Institut de l'engagement. Premièrement, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Ma question est la suivante. De plus en plus de pays adoptent, créent les villes vertes et 100% écologiques. Et du coup, je voulais savoir votre avis et si c'est vraiment une solution contre tous ces changements-là. Voilà, merci. D'abord, il faudrait que je me penche sur la façon... Pourquoi ils appellent ça verte, tu vois ? Regardez, moi, j'ai vu ça en Allemagne. C'est là que j'ai vu les plus gros efforts en Europe. Hein, puisque les Verts allemands sont plus pragmatiques que les nôtres. Et ils dirigent des pays comme le Bade-Württemberg. Hein, c'est gros, hein ? Avec des principes écologiques. Ils ont fait des choses vraiment très intéressantes. Les Verts français ne savent pas faire ça. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. Mais eux, ont fait des choses. Donc, les villes vertes, oui, allons-y. Si, effectivement, tu as un bilan carbone qui est, sinon nul, au moins, en tout cas, très, très peu impactant. C'est aussi arrêter de polluer les cours d'eau. C'est faire attention sur les productions agricoles que l'on fait. Rémunérer le monde agricole correctement pour qu'il n'utilise pas ses produits.
tenir compte, bien sûr, de ce qu'on appelle les externalités. Jean Tirole a dû vous en parler. C'est ça, en économie, qui nous manque. Par exemple, moi, je veux bien discuter le chlordécone à la Martinique. On est en 1993. Un petit charançon, un petit coloptère débarque, qui vit sur la banane. Et il bouffe les bananes. Et pour lutter au niveau du prix de production de la banane avec les cultivateurs autour, qui sont Saint-Domingue ou bien Haïti, on va utiliser un produit interdit en France, s'appelle le chlordécone, qui est un cycle carboné avec 7 atomes de chlore. Ça, je peux le dire en chimiste, que jamais la nature ne sera dégradée ce truc-là. Le chimiste qui a mis ça au point, pour moi, il devrait être en prison. Ça veut dire que on a mis, alors ça avait été, on l'a utilisé, on a vu les drames, parce que cancer de la prostate, cancer du sein, des jeunes femmes de votre âge, partout. Donc on ne tient jamais compte de ça, en fait. Et là, il y a un vrai problème aujourd'hui au niveau des Antilles, hein, parce qu'on a pollué les sols pour gagner quelques centimes sur le prix de la banane pour 2 siècles. Tu vois, c'est ça. Notre combat, il est là. Tout à l'heure, notre ami disait, je ne suis pas une combattante. Il faut combattre en ne se laissant pas faire. Hein. Je n'ai pas dit de prendre les armes, j'ai dit ne pas se laisser faire. Et je revois encore Einstein qui dit plein de choses intéressantes. Il disait, mais comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créées? Voilà, hein, on est vraiment là-dessus. We have to change. Et avec mon copain Edgar Morin, on dit même, c'est pas un changement, il nous faut une métamorphose, tu vois, pour que ça puisse marcher. Donc sur les verts, moi, je veux regarder comment ils ont fait ce qu'ils appellent vert, qu'on regarde. Il y a peut-être des choses très bien à aller chercher, bien sûr, hein. Faut regarder. Mais oui, c'est la voie vers laquelle il faut aller. Quel type de transport, comment on protège l'eau, comment on consomme, comment on isole les bâtiments suffisamment pour qu'on utilise très peu d'énergie. Maintenant, on sait faire des bâtiments qui sont neutres, hein. On sait faire des bâtiments où il n'y a pas à chauffer ni à refroidir. Parce que refroidir, c'est une catastrophe. Hein. Vous avez vu que sur les canicules à Paris, là, on chauffait l'air de Paris. La dame a sorti un chiffre cette semaine de 3 degrés. Donc, il fait trop chaud. Chacun achète un climatiseur qui fait du froid chez vous, mais qui recrache du chaud à l'extérieur. Cata, quoi. C'est là que l'humain, franchement, les neurones de l'humain, ils sont quand même un petit peu avachis. Quoi. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais très bonne question. Allons-y, hein, vers... Qu'est-ce qu'on appelle vert? Comment on fait? Faut regarder de près. Par exemple, la voiture électrique, moi, je suis pas du tout farouchement pour la voiture électrique. Hein. C'est comme Sabine Saint-Brieuc tout à l'heure, comment on fait, là. Faire 88 millions de véhicules électriques, comment on va faire l'électricité? À partir de quoi? On est plus 30% d'énergie électrique en 2030. Fait comment? Dans quelles conditions? Ça relance tout le débat sur le nucléaire aussi. Le nucléaire me pose problème aussi, parce que mes copains climatologues me disent on va vers des systèmes hivernaux en Europe, de longues périodes, d'anticyclones très stables, fixés sur l'Europe, sans lumière et sans vent. Compliqué, là, dans ce cas, d'utiliser effectivement que l'éolien ou le solaire. Hein. Des jours, plafond très bas, tu vois, une très très peu de lumière. Donc il faut des mix énergétiques, ça c'est absolument évident. On ne peut pas chauffer Marseille comme on chauffe Lille, comme on chauffe ici Bordeaux. Chaque région, la géothermie, les lacs d'altitude, hein, avec les différences de température, l'énergie thermique des mers, on a peu parlé de l'outre-mer, mais c'est des choses intéressantes à creuser aussi. En tout cas, c'est des voies vers lesquelles il faut aller, oui. Bonsoir, moi c'est moi qui réponds longuement. Merci pour ce moment et d'avoir apporté un peu de poésie aussi à la science. Je suis heureuse de savoir que j'ai un petit bout d'océan en moi. Oui, tu verras, tu regarderas ça. Oui. Bon, j'ai du chlordécone aussi, mais bon, ça, c'est un peu plus triste. Vous avez parlé, on a parlé un peu de mort tout à l'heure et de démographie. Aujourd'hui, il y a des personnes très riches qui financent des projets sur l'immortalité. Est-ce que c'est scientifiquement possible? Et comment, paradoxalement, l'humain pourrait survivre démographiquement à l'immortalité? Je vais être très clair là-dessus. Je me suis accroché avec eux plein de fois. Hein. D'ailleurs, quand il m'énerve trop, je lui dis au type, vous savez que mon cher collègue, là, que vous avez les trous de nez, les oreilles remplies de bactéries, là, il ne sait pas. Parce que là, lui, il parle de l'humain, de l'essence humaine, mais on est plein de micro-organismes. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a un très beau travail sorti la semaine dernière dans Nature, qui nous montre que les personnes qui dépassent 100 ans n'ont pas les mêmes bactéries que les gens qui n'atteignent pas 100 ans. Donc ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ça. Et puis après, c'est intéressant ta question, parce que depuis 2 ans, on les entend beaucoup moins. Ils sont terrorisés par la Covid-19. Tu te rends compte que si un petit virus de 15 gènes les tue entre 385 ans et 386 ans, c'est tellement injuste que c'est pas possible, quoi. Alors scientifiquement, je réponds à ta question. Non, pour l'instant, nous, on a regardé. Je voulais vous en parler aussi. Il y a des travaux sur on travaille beaucoup sur la durée de vie. Donc, elle a augmenté de 35 ans.
en France depuis 1860. On a pris 35 ans de plus d'espérance de vie. Les femmes, aujourd'hui, au moment où je vous parle, françaises, vivent 84 ans en moyenne, les garçons 80. Et je regarde les classes d'âge. Votre âge, beaucoup de 25 ans ici. Alors les 25 ans ici, bomber le torse, c'est le seul moment dans, en France où vous avez exactement le nombre de filles et de garçons en France. Chacun en a un pour lui ou une pour lui. Hein. 25 ans. Il y a plus de garçons qui naissent en France, 52%. 25 ans, même nombre de garçons et de filles. Et après, avec le temps qui passe, ça diminue. À 100 ans, 3 femmes pour un garçon. Et il n'y a plus aucun garçon après 110. Donc ça, c'est des faits intéressants. Donc pour revenir à ces gens-là, c'est des conditions de l'esprit. En plus, c'est d'un égoïsme forcené, parce qu'il faudra mettre beaucoup de moyens. C'est très misogyne aussi. Hein. C'est surtout des garçons qui pensent à ça. Puis ça n'a aucun intérêt pour moi, en fait. Hein. Ça veut dire aussi, puis après moi le déluge, il y avait un type un jour qui me dit, un Suisse, c'est permis en Suisse, on peut se faire congeler. Et il me dit, voilà, j'ai payé, je me fais congeler la semaine prochaine. Je dis, ah bon, très bien. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme 1 million d'euros et une boîte, alors, on peut faire du fric avec tout, hein, allez-y, lancez-vous ce soir. Hein. Voilà, je vous congèle, je vous mets dans une grotte en Suisse et je vous garantis 50 ans de congélation. Alors je dis au type, vous avez quel âge? Je dis, j'ai 88. Ben, je dis, à votre place, moi j'aurais fait ça à 25 ans. Hein. Parce qu'en me réveillant, ça aurait été un petit peu mieux qu'à 88 ans. Non, tout ça, c'est pour te dire que, alors, scientifiquement, pour nous, on a écrit beaucoup de bouquins là-dessus sur le transhumanisme. Hein. Il n'y a aucune base scientifique. Quand on regarde depuis aujourd'hui, donc les Français et les Françaises ont augmenté leur espérance de vie. Les femmes prenaient encore en France, il y a 20 ans, 3 mois d'espérance de vie par an. Ça s'arrête en 2008. Depuis 2008, elles ne prennent pas plus. On voit la différence garçon-fille s'atténuer. C'est le cas dans les ethnies blanches américaines, aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Japon aussi. Donc on pense que, pour l'instant, le record mondial, toute catégorie, hein, elle s'appelle Jeanne Calment, hein, j'ai une photo ici, voilà. Connue aujourd'hui, c'est elle. Hein, elle a vécu 122 ans et 164 jours. Hein. C'est elle. Et le record actuel, c'est Tane Tanaka, une japonaise, qui a 118. Alors on voit qu'effectivement, chaque année à gagner après 101, 102, 103, 104 coûte très cher en énergie. Et j'ai fait un truc qui n'est pas très... On m'a dit, ouais, bon. Je me suis amusé à calculer le coût énergétique de Jeanne Calment. J'ai pas l'énergie pour amener 8 milliards d'humains à 122 ans, 164 jours. Donc on revient à ces questions sociales qu'on évoquait tout à l'heure. Imaginez un monde où les riches vivraient très longtemps et les pauvres beaucoup moins. Durée de vie aujourd'hui, donc je vous ai donné pour la France... Le pays qui a le plus bas, c'est le Zimbabwe. 46 ans au Zimbabwe. Et 46 ans, c'est la durée de vie d'un clochard à Paris. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que c'est tellement lié à ces questions qu'on évoque, en particulier au niveau énergétique. Quand vous êtes tous les jours en stress total, imaginez la vie d'une femme dans le métro à Paris. Elle a graissé tout le temps en permanence. Comment vous pouvez vivre? Elle ne mange pas à sa faim. Elle ne mange que des saletés. Elle est dans des conditions où elle n'est pas thermorégulée. On ne la chauffe pas l'été. L'hiver, on la refroidit pas l'été. Et puis, on vit 46 ans, même chez nous. Donc vous voyez que tout ça est lié à une espèce de niveau social, niveau de développement technologique et économique. Alors maintenant, est-ce que c'est acceptable qu'il y ait des pays où on vive 50 ans, d'autres où on vive effectivement... Les records du monde, c'est l'Europe de l'Ouest, hein, le Japon et l'Amérique du Nord, hein, donc qui dépensent beaucoup d'énergie. Et en kilowattheure, quand vous regardez la courbe, ben, vous vous rendez compte effectivement que les vieilles personnes, elles se chauffent à 26 degrés l'été, elles se refroidissent à 16 degrés l'hiver, à 16 l'été, et puis elles avalent 20 médicaments par jour, quoi, comment ça coûte. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire disparaître tous les vieux. Hein. Je vous dis simplement que c'est des faits à prendre en considération. Où je me suis par contre battu en tant que comité d'éthique, je suis aussi au comité d'éthique, c'est qu'on s'est fâché nous, quand il n'y avait pas assez de vaccins pour tout le monde, qu'on ait vacciné des gens en soins palliatifs. Ça, c'est scandaleux. Désolé, ils avaient 95, 97, alors que vous, vous aviez besoin d'un vaccin, et on a attendu beaucoup plus pour vous vacciner. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi? C'était clair, hein, c'était pour ne pas engorger les urgences. On sait qu'à 90 ans, si vous chopez le Covid, vous finissez en urgence respiratoire. Aujourd'hui, par exemple, je suis désolé, mais les masques pour les gamins de 3 ans, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin. Alors qu'on nous avait dit le 20 mars 2020, vous vous rappelez, le masque ne sert à rien, c'est super utile. Mais pas dehors! Et moi, je me suis super accroché avec eux. Faites du vélo, chantez, criez, roulez-vous dans l'herbe, allez faire du surf, c'est interdit! On se contamine pas comme on se contamine dans la même petite pièce avec la même machine à café et la même clim. Là, je vous garantis que vous vous contaminez. Donc c'est vrai que là, ben, la science n'a donné aucun élément pour confiner à 18h, à 19h, à 20h. Il n'y a pas de science, c'est que des opinions tout ça. Hein. Donc je comprends que les Français en ont un petit peu ras-le-bol aussi. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une déconfiance dans la science et une déconfiance dans le monde politique. Comment on remonte la pente? C'est pas si simple que ça, effectivement. Hein. À Daniel, alors?
Bonsoir monsieur, donc bonsoir. Moi c'est Nicolas, je suis aussi de l'Institut. Oui. Et j'ai une petite question sur la santé plutôt. Oui. Et aujourd'hui on est tous dans la. Enfin tous, on est sur de la surmédication. Oui. Et ma question c'est est-ce qu'il faudrait peut-être laisser plus son corps réagir ou utiliser de l'homéopathie enfin, c'est, ma question c'est de savoir comment aider son corps en tout cas à réagir correctement. Alors déjà en France on a une médecine très particulière, on fait peu de prévention. Et pour moi, c'est clair que la prévention est essentielle. En France, on traite des gens qui sont malades, avec des médicaments, comme tu dis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois les vieilles personnes, elles ont 20 molécules qu'elles prennent tous les jours. Moi, je me rappelle très bien, on prescrit à quelqu'un, je dis celui-là, ah, celui-là, docteur, il me fait du bien. Alors, bon, je laisse le 13e, quoi. Alors qu'en fait, ça ne sert à rien pour la personne. Ça, c'est de la pharmacie, ça, de base, quoi. Donc, surmédication. Je veux dire, oui, sur aussi système de repérage sur les cancers du sein, on a beaucoup regardé ça, effectivement. Les mammographies, comment on les a faites là. Alors, je ne dis pas que c'est inutile, mais il faut regarder si on n'a pas surévalué ces effets particuliers. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le corps, oui, mais il faut que chacun écoute son corps, apprenne à le connaître. Et ça, ce n'est pas inné. Ça veut dire que chacun a sa façon de réagir. Donc, je dirais simplement que commencez par bouffer bien, manger. Pas de pesticides, ces trucs, mangez bien, mangez beaucoup moins. Je peux vous dire que toutes les manips qu'on a fait sur des poissons, sur des rats, moins ils bouffent, plus ils vivent longtemps. C'est très très clair. Sans être bien sûr malnutri ou en détresse comme un petit Africain qui n'a rien à manger. Ensuite, c'est aussi du sport. C'est fondamental. Ça, c'est très clair pour nous. Le Covid-19 a tué des gens qui, depuis plusieurs années, n'avaient plus fait de sport. Très, très nettement. Je vous disais, moi, les infirmières, les blocs hospitaliers, elles n'arrivaient pas à retourner le type. Ils faisaient 140 kilos, le type, avec un ventre comme ça. C'est pas possible. Et ces gens-là, pourquoi ils étaient encore en vie? Grâce au progrès de la médecine que tu évoques là, si tu veux. Tu vois. Donc aujourd'hui, la durée de vie en bonne santé, elle n'est pas si élevée que ça en France. C'est 63 ans. C'est-à-dire sans jamais avoir fait un accident sérieux, qui vous aurait tué, par exemple, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une embolie pulmonaire. C'est 63 ans, On n'a rien eu, on n'a eu aucune opération. C'est pas si vieux que ça, finalement. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Vivre plus longtemps, oui. Comme tu dis, écouter ton corps. Manger moins, manger mieux, faire du sport. Et puis plus on est heureux, mieux on se porte. Donc ça veut dire que pour être heureux, il faut changer là-dedans pas mal de choses aussi. Mais des fois, c'est facile à dire. Les gens malheureux, il y en a tellement. On est dans une vie moderne qui a amené à tellement, tellement, tellement de stress chronique. Moi, je reviens à mes poissons chéris que j'ai beaucoup étudiés. Sur des poissons, je fais une manip à un moment précis. Je mesure un an après l'effet du stress que je lui ai fait subir. Très, très clair. Il est beaucoup plus petit que celui d'à côté. Donc, ça veut dire qu'on a des agressions qu'on a du mal à surmonter, en fait. Donc, le trauma après une agression, comment tu réagis, comment tu te défends, comment, effectivement, tu mesures ceci. Et après, tu vas résilier pour revenir à un état plus ou moins proche de ce que tu étais avant, dans des conditions différentes. Mais c'est vrai que si on enlève les accidents classiques où tu te fais tuer par une voiture, un camion, tu tombes d'une montagne, tu te casses la figure en vélo, tu tombes dans un trou, qui sont des traumas, ça arrive dans une vie, ça termine une vie. Pour le reste du temps, effectivement, la durée de vie globale des gens, elle n'est pas en train d'augmenter beaucoup en ce moment. Donc il faut s'en contenter. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, se préparer effectivement à la mort. Les Français ne savent pas faire ça du tout. Il y a des pays où les gens, effectivement, sont conscients de cela. Parce qu'on a tellement eu de progrès. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot progrès, on ne l'utilise plus. J'ai un ami qui est quelqu'un, vous irez voir sur Internet, il est professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Frédéric Worms, génial. Écoutez-le. Et Frédéric dit, en fait, le mot progrès a disparu. Dans toutes les brochures des entreprises, des boîtes de tourisme, partout. Le progrès, le progrès, le progrès. C'est tellement maintenant concocté d'une idée délétère, le progrès, des connotés, oui. Tu as raison. Et de questions qui sont l'impact sur l'environnement, qu'on ne dit plus ça. C'est remplacé par innovation, l'innovation. Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est ça le truc. Mais c'est intéressant, vous montrez comment au niveau de la mentalité, c'est en train de changer tout doucement. Ce qui est clair, c'est que pour revenir à ce que tu dis, si on sait s'écouter, si on a envie de se donner du plaisir. Bon, il faut boire moins, ça c'est clair. Je parle d'alcool, pas d'eau pure. Il faut boire de l'eau. Fumer, on peut s'en passer après tout. Ça c'est clair que c'est une des grosses causes de mortalité. La non-activité physique aussi est un très très. Je parle aux jeunes filles ici. La dualité tabac-pilule, c'est une catastrophe. Moi, je vois des gamines à votre âge, 22 ans, en embolie, parce que c'est très 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 dangereux. Donc.
Tout ça, il faut en tenir compte. Les perturbateurs endocriniens, moi, je vois des médecins cancérologues qui donnent des traitements à leurs patients. Moi, je sais que ces produits sont super toxiques. Donc, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous perdez? Et souvent, la cancérothérapie, elle amène à des choses où vous êtes plus malade que par votre cancer. Et des fois, par contre, on calcule sérieusement avec la personne ce qui vaut le coup, hein, combien de temps ça dure, comment on fait. Tout ça, il faut en tenir compte, il faut le discuter, il faut s'éduquer, il faut échanger avec les autres. Mais l'activité physique est vraiment, vraiment, vraiment importante. Sans aller grimper l'Everest tous les jours. Hein. Faites un peu de vélo, vous allez faire du surf, ce que vous aimez, le sport que vous aimez bien. Hein. Vous marchez, vous courez, vous allez cultiver votre jardin. Et ça, ça marche bien. Merci beaucoup. Je...